1992년 3월에 구원받은 조셉이라고 합니다. Moi je suis donc le frère Joseph et j'ai reçu le salut en 92. 이렇게 그 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Et je suis ravi d'être là avec vous. 이번에 베냉에서 하나님께서 국제 컨벤션을 허락해 주셨는데 Et cette fois-ci, on a Dieu qui nous accorde cette qui nous a accordé cette convention. 허락해 주신 하나님께 감사드립니다. On rend grâce à Dieu pour ça. 그리고 이번에도 많은 사람들을 구원받게 해 주셔서 감사드립니다. Et on remercie Dieu aussi pour toutes les âmes qu'il a sauvées à cette convention. 그리고 오늘 이렇게 전도인 또 임원 교육을 허락해 주셔서 감사드립니다. Et merci à Dieu aussi pour cette formation des pasteurs, prédicateurs et leaders. 예, 어젯밤에는 잘 주무셨을까요? Vous avez bien dormi hier soir? 예, 예, 저만 잘 못 잔 것 같습니다. Il y a que moi qui ai mal dormi alors, c'est ça? 예, 예. 같이 하나님께 기도하겠습니다. Commençons par prier à Dieu. 하나님 감사합니다. Dieu merci. 저희를 구원해 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir sauvés. 그리고 베냉에 또 아프리카 전역에 복음이 전해질 수 있도록 해 주신 것 감사합니다. Merci aussi de permettre à ton évangile d'être prêché dans toute l'Afrique. 주님 오실 날이 얼마 남지 않은 마지막 때를 살고 있습니다. Et nous vivons à la fin des temps et ton retour est imminent. 저희가 더 많은 사람들에게 복음을 전할 수 있도록 도와주시고 Aide-nous à ce qu'on puisse prêcher à toujours plus d'âmes. 아프리카에 주님의 교회가 더욱 든든하게 되도록 도와주시고 아프리카의 주님의 교회가 더욱 든든하게 세워질 수 있도록 도와주옵소서. Aide aussi à ce que ton église en Afrique soit toujours plus affermie. 성령께서 말씀으로 아프리카 교회를 더욱 든든하게 세워주시고. Et affermis ton église en Afrique par ta parole. 이 시간도 주님의 말씀이 우리 마음 가운데 잘 새겨질 수 있도록 역사해 주옵소서. Et agis en nous pour que aujourd'hui encore ta parole nous édifie. 저희를 구원해 주신 예수님 이름으로 기도합니다. Nous prions au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Amen. 오늘 제게 주어진 시간은 3시간입니다. On m'a accordé 3 heures aujourd'hui. 첫 시간 정통과 이단에 대해서 말씀을 드리고요. Durant la première heure, on va aborder l'orthodoxie et l'hérésie ou les sectes. 마지막에는 천국과 지옥에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. Et dans le reste du temps, je vous parlerai du royaume des cieux et de l'enfer. 먼저 정통과 이단에 대해서 좀 말씀을 드려보겠습니다. Je vais commencer par aborder donc l'orthodoxie et l'hérésie. 성경적으로 무엇이 참된 교회이고 무엇이 이단인지를 좀 구별해 보고자 합니다. Nous allons essayer de voir par les écritures ce qui est l'authentique et ce qui est sectaire. 이 주제는 매우 심각하고 중요한 주제입니다. Et c'est un sujet grave et très sérieux. 아프리카에도 많은 이단들이 있습니다. En Afrique, il y a beaucoup de sectes. 베냉에도 많이 있습니다. Au Bénin aussi. 기독교라고 하지만 이단들이 굉장히 많이 있습니다. Ils se disent chrétiens, mais sont vraiment dans les sectes. 성경적으로 무엇이 이단이고 정통인지를 구별하는 것은 아주 심각한 문제입니다. Mais c'est un problème très grave que la Bible aborde en nous disant ce qu'est la doctrine droite et la secte. 왜냐하면 내가 바르게 믿고 있는가 잘못 믿고 있는가에 따라서 나의 영원한 운명이 결정되기 때문입니다. Parce que selon si je crois au véritable ou si je crois en autre chose, ça décide de mon avenir, l'enfer ou le royaume des cieux. 거짓된 지폐를 잡아내기 위해서는 참된 지폐에 대해서 연구하면 되죠. Et c'est comme pour ceux qui discernent les faux des vrais billets, eux ils n'étudient que les vrais billets. 마찬가지로 이단이 무엇인지를 구별하기 위해서는 정통이 무엇인지를 알면 됩니다. Et de même, nous, pour qu'on sache discerner les sectes, il nous suffit de bien connaître la véritable doctrine. Amen. 이단에 대해서 가장 잘 설명하고 있는 구절이 디도서라고 할 수 있습니다. 디도서 3장입니다. Et on est dans Tite, chapitre 2, et c'est le livre qui nous parle le mieux, justement, de l'orthodoxie. 디도서는 신약성경 14권을 기록한 사도 바울이 디도에게 쓴 서신서입니다. Et on a l'apôtre Paul qui écrit 14 des épîtres du Nouveau Testament, et il adresse cette épître à Tite. 특별히 디도서 3장은 도대체 이단이 무엇인지, 정통이 무엇인지를 가장 잘 설명하고 있는 성경 본문이라고 할 수 있습니다. Et on peut dire que Tite chapitre 2 est le livre de la Bible qui nous parle le mieux de l'orthodoxie. 그래서 오늘은 디도서 3장을 중심으로 도대체 이단이 무엇인지를 좀 말씀을 드려 보겠습니다. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va se focaliser sur Tite chapitre 3 pour voir ce qu'est la véritable doctrine et les sectes. 디도서 3장 10절. On est dans Tite chapitre 3 verset 10. 10절만
같이 한번 읽겠습니다. Est-ce qu'on peut lire seulement ensemble le verset 10? Un, deux, trois. Et loin de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. 사도 바울이 이단에 속한 사람을 한두 번 훈계한 후에 멀리하라고 말씀하셨습니다. On a l'apôtre Paul qui dit éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. 그래서 디도서 3장을 공부하면 무엇이 정통인지를 우리가 배울 수 있는 겁니다. Et quand on étudie Tite chapitre 3, on peut donc savoir ce qu'est la véritable doctrine, l'orthodoxie. 차례로 한번 생각해 보겠습니다. On prend le temps d'y réfléchir. 자, 첫 번째 무엇이 정통일까요? Qu'est-ce que l'orthodoxie? 3절 보세요. Verset 3. 3절 한번 읽어주세요. Si on peut lire ce verset. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. 첫 번째 정통의 조건입니다. On voit ici la première condition pour être dans la véritable doctrine. 죄인 있는 것을 강조해야 합니다. Pour être dans la véritable doctrine, il faut insister sur le fait qu'on est pécheur. 3절 말씀은 구원받지 못한 모든 사람의 모습이고. On voit ici décrire l'état dans lequel on est avant le salut. 구원받기 전에 우리의 모습이기도 했습니다. Et donc c'était nous aussi qui étions comme ça avant d'être sauvés. 우리 각자는 하나님의 심판받을 비참한 죄인이었잖아요. Nous aussi nous étions de misérables pécheurs voués au jugement avant. 우리는 지옥에 갈 수밖에 없는 비참한 죄인이었습니다. Nous étions de misérables pécheurs voués à l'enfer. 하나님 보시기에 우리는 벌레요, 구더기였잖아요. Nous étions des vers, des vermisseaux. 이것을 확실하게 강조해야 되는 겁니다. Et c'est quelque chose sur lequel il faut insister. 하나님 앞에 사람이 완전히 이루어져 있다는 것을 강조하지 않으면 안 됩니다. On ne peut pas ne pas insister sur le fait qu'on est des vers quand on prêche aux autres. 이것이 정통인 겁니다. C'est ici l'orthodoxie, la véritable doctrine. 죄와 심판을 강조하지 않는 것이 이단입니다. Et c'est sectaire que de ne pas insister sur le fait qu'on est pécheur. 아담 안에 태어난 모든 사람은 죄인으로 태어났습니다. Toute personne naît pécheur en Adam. 죄인이라는 것을 강조하지 않으면 구원이 필요가 없지 않습니까? Parce que si on n'a pas besoin de si on ne sait pas qu'on est pécheur, on n'a pas besoin du salut. 성경에서 말하는 구원은 인간의 무능함이 전제되어 있는 겁니다. Et quand on parle justement du péché dans la Bible, c'est de cette séparation qu'on a entre nous et Dieu. 구원은 하나님께 속해 있기 때문에 인간이 하나님 앞에 완전히 이루어져 있다는 것을 먼저 강조해야 되는 겁니다. Et parce que le salut est dans la main de Dieu, c'est pour ça qu'il nous faut nous insister sur le fait qu'on est pécheur quand on prêche. 의사는 환자에게 필요합니다. C'est comme un médecin, ce sont les patients, les malades qui vont en avoir besoin. 예수님은 영혼의 의사잖아요. Et Jésus est notre médecin spirituel. 그러니까 예수님은 죄인에게 필요한 겁니다. Et il est donc les pécheurs en ont besoin. 예수님은 의인을 부르러 오지 않고 죄인을 부르러 오셨다고 말씀하셨습니다. Jésus a bien dit qu'il était venu appeler des pécheurs et non pas des justes. 그래서 먼저 정통은 인간의 죄와 심판을 확실하게 가르쳐야 되는 겁니다. Et c'est pour ça que dans la véritable doctrine, il nous faut commencer par insister sur le fait qu'on est pécheur et qu'il y a jugement. 여기 첫 번째, 우리도 전에는 어리석은 자요. Et il commence par de dire que nous aussi, nous étions autrefois insensés. 우리는 지혜로운 사람들이 아니라 어리석은 사람이었습니다. Nous n'étions pas sages, nous étions insensés. 우리는 구원받기 전에 아무것도 몰랐습니다. Nous ne savions rien avant d'être sauvés. 어리석기 때문에 하나님이 계신 것도 몰랐습니다. Et parce que nous étions insensés, nous ne savions même pas que Dieu existe. 어리석었기 때문에 영혼이 있다는 것도 몰랐잖아요. On était insensés et on ne savait pas qu'on avait un âme. 어리석기 때문에 부활이 있다는 것도 몰랐습니다. On ne savait pas qu'il y avait résurrection. 우리가 완전히 어리석은 자였다는 겁니다. Nous étions complètement insensés. 그리고 두 번째로 순종치 아니한 자요. Et la deuxième chose, nous étions désobéissants. 우리는 불순종의 자녀로 태어났습니다. Nous sommes nés enfants de la désobéissance. 하나님 말씀에 완전히 순종하지 못하는 죄인으로 태어난 겁니다. Nous sommes nés pécheurs et nous désobéissions totalement à la parole de Dieu. 그리고 그 다음 말씀이 더 무섭습니다. Et le terme suivant est terrifiant aussi. 속은 자요. Égarés. 우리 완전히 속아 있었습니다. Nous étions complètement trompés, égarés. 마귀는 처음부터 거짓말쟁이고 거짓의 아비입니다. Et le diable, justement, il est menteur dès le départ. 에덴 동산에서 아담과 하와가 마귀에게 완전히 속았고. Et il a complètement égaré Adam et Ève dès le jardin d'Éden. 그 후로 우리는 완전히 마귀에게 속아 살았던 겁니다. Et nous avons vécu nous-mêmes égarés, trompés par le diable toute notre vie. 우상에게 완전히 속았고. Nous étions trompés par les idoles. 거짓된 종교에 완전히 속았습니다. Et les fausses religions nous ont justement égarés aussi. 우리는 부두교에 속았고. C'était soit le vaudou. 이슬람교에 속았고. Ou l'islam.
오순절 개통의 교회에 잘못 속았습니다. Et c'est il en va de même pour les pentecôtistes. 완전히 속았습니다. On était complètement égarés. 그리고 각색 정욕과 행락의 종로로 탄 자요. Et on était asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. 우리는 구원받기 전에 죄의 종이었습니다. Nous étions esclaves du péché avant d'être sauvés. 쾌락의 종이었고 Nous étions vraiment asservis. 율법의 종이었습니다. À la loi, au péché. 악독과 투기로 지낸 자요, 가증스러운 자요. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie. 하나님 앞에 완전히 타락한 죄인이었다. 지금 그 말을 하고 있는 겁니다. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on était vraiment un pécheur complètement corrompu devant Dieu. 그리고 피차 미워한 자였으나. Digne d'être haï. 우리는 서로 미워하기도 하고 미움을 받기도 했습니다. On a haï les autres et on a été haï par certains aussi. 그러니까 하나님은 구원받기 전에 내 인생을 조금도 인정하지 않으셨던 겁니다. Et donc Dieu n'a absolument pas reconnu ma vie avant que je ne sois sauvé. 3장은 그걸 얘기하고 있는 겁니다. 첫 번째 종통이 무엇이냐? Et donc c'est ce dont nous parle le titre chapitre 3. Quelle est la première condition à l'orthodoxie? 첫 번째는 죄와 심판을 강조해야 되는 겁니다. C'est qu'il faut insister sur le péché et le jugement. 하나님 앞에 완전히 이루어져 있다는 것을 먼저 강조하지 않으면 안 됩니다. On ne peut pas ne pas insister sur cet aspect pécheur quand on prêche. 아멘. 결국 인생의 근본적인 문제는 죄입니다. 죄. Parce que le problème essentiel, fondamental chez l'homme, c'est le péché. 이 죄 때문에 천국에 갈 수가 없잖아요. À cause du péché, on n'entre pas au ciel. 예수님이 요한복음 8장에서 말씀하셨습니다. Et c'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 8. 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 종은 영원히 집에 거하지 못하되. Il dit justement que celui qui quiconque se livre au péché est esclave du péché. 1절. Dans le verset 21, 한번 읽어주세요. On peut lire le verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. 여기 너희 죄 가운데 죽겠고 나의 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 이렇게 말씀하셨습니다. Ici il nous dit bien, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. 인간은 죄인으로 태어나서 하나님의 심판을 받고 지옥에 간다는 것을 먼저 확실하게 알아야 되는 겁니다. Et donc il faut déjà savoir qu'on est complètement pécheur, qu'il y a le jugement et qu'on finit en enfer. 근데 오늘날 다른 교회에서는 죄와 심판을 강조하지 않잖아요. Mais désormais dans les églises, on ne prêche plus le péché ni le jugement. 이것이 문제입니다. Et c'est là le problème. 오늘날 기독교는 죄에 대해서 강조하지 않습니다. Les chrétiens ne prêchent plus le péché et le jugement. 예레미야 8장에 On est dans Jérémie chapitre 8. 8장 11절, 12절 한번 읽어 주세요. Versets 11 et 12, si on peut lire. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie 당시에 거짓 선지자들은 심상하게 고쳐주었습니다. Et à l'époque du prophète Jérémie, les médecins pensaient à la légère. 그래서 아무도 치료를 받지 못했던 겁니다. Et il n'y a point, et donc personne n'était guéri. 그러니까 정통은 먼저 진단을 잘해야 되는 겁니다. Un médecin déjà doit faire un bon diagnostic. 인간이 하나님 앞에 완전히 이루어져 있다는 것을 먼저 강조해야 되는 겁니다. Et il faut déjà insister sur le fait que l'homme est complètement perdu de base aux yeux de Dieu. 오늘날 많은 교회에서는 사람들이 이것을 듣기 싫어하기 때문에 죄와 심판에 대해서 강조하지 않습니다. Mais un beau jour les églises ont arrêté d'en parler parce qu'ils ont vu que les gens n'aiment pas entendre ça. 우리는 이것을 확실하게 전해야 합니다. Mais nous c'est quelque chose qu'il nous faut prêcher avec directement. 우리의 전도의 성패가 여기에 달려 있는 겁니다. Parce que garder l'évangile réside justement dans ce point-là. 인간이 죄인이라는 것과 심판받고 지옥 간다는 것을 확실하게 가르쳐야 합니다. Il faut qu'on enseigne avec exactitude que nous sommes pécheurs, que nous serons jugés et voués à l'enfer. 아멘. 죄인이기 때문에 구원이 필요합니다. Et c'est parce qu'on est pécheur qu'on a besoin du salut. 영국에 스펄전이 있습니다. Il avait en Angleterre le pasteur Spurgeon. 스펄전 목사님이 이렇게 얘기했습니다. Et voici ce qu'il a dit. 하나님은 사람을 죽이지 않고는 살리지 않고. Parce que Dieu, il va s'il tue l'homme, il va le sauver. 벗기지 않고는 입히지 않으신다. Et il ne va pas revêtir quelqu'un si cette personne n'a pas été dévêtue d'abord. 이해되세요? Vous voyez ce que je veux dire? 하나님은 사람을 먼저 죽이고 살리시는 분인 겁니다. Dieu est celui qui tue avant de redonner vie. 먼저 인간에게 죄인이라는 걸 확실히 알려줘야만 구원이 필요하잖아요. Et donc il faut vraiment insister sur le fait que l'homme est pécheur pour qu'il
reçoivent le salut. 그래서 이사야 58장 1절에 이렇게 말씀하셨습니다. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Ésaïe 58 verset 1. 같이 읽겠습니다. On peut lire ensemble. 1 2 3. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. 인간의 죄인이라는 것, 인간의 무능함을 강조해야만 예수님의 십자가가 필요해지는 겁니다. Et c'est lorsqu'on insiste sur le fait que l'homme est pécheur, qu'il est sans puissance, qu'alors ils peuvent voir la croix. C'est la première condition pour qu'on soit dans la véritable doctrine, l'orthodoxie. 자, 여기 보세요. Regardez-moi. 여기 하나님이 계십니다. On a Dieu ici. 그리고 여기 사람이 있습니다. Et on a l'homme plus bas. 하나님은 지극히 거룩한 분이고, Dieu est saint et élevé. 인간은 정말 비참한 죄인이라는 것을 강조해야 되는 것. Et il nous faut insister sur le fait que l'homme lui est misérable et pécheur. 이 두 사이의 거리를 떨어뜨려 놓으면 떨어뜨려 놓을수록 정통이 되는 겁니다. Et plus on éloigne Dieu qui est saint et l'homme qui est pécheur, et plus on est dans la bonne doctrine. 아멘. 근데 인간이 죄인이 아니고 꽤 선한 존재인 것처럼 가르치면, mais si on enseigne que l'homme est tout de même quelqu'un de bien, 다시 말해서 하나님과 사람 사이를 거리를 가까이 놓. Et donc en fait, si on rapproche Dieu qui est saint et l'homme qui est pécheur, 정통과는 거리가 멀어지는 겁니다. 정통이 아닌 겁니다. On s'éloigne de la véritable doctrine de l'orthodoxie. 아멘. 먼저 인간이 죄인이라는 것을 가르쳐야 되는. Il nous faut commencer par enseigner que l'homme est pécheur. 살아계신 하나님 앞에 죄인이라는 것을 강조하고, on insiste sur le fait que l'homme est pécheur devant Dieu. 죄인이기 때문에 구원받아야 할 것을 확실하게 가르쳐야 되는 겁니다. Et nous faut enseigner avec exactitude que parce qu'il est pécheur, on doit recevoir le salut. 자, 두 번째 조건이 있습니다. Deuxième condition. 자, 뭐가 또 정통일까요? Qu'est-ce que la véritable doctrine? 여기 5절에 보시면, dans le verset 5, 우리를 구원하시되. Il nous a sauvés. 두 번째 정통의 조건입니다. La deuxième condition pour qu'on soit dans la véritable doctrine, l'orthodoxie. 구원을 강조해야 됩니다. Insister sur le salut. 이것이 정통이 되는 겁니다. Ça, c'est la véritable doctrine. 구원을 강조하지 않으면 정통이 될 수 없는 겁니다. Si on n'insiste pas sur le salut, c'est qu'on est dans la secte. 구원을 강조하지 않는 것은 이단으로 가는 지름길이 되는 겁니다. Et donc ne pas enseigner sur le salut, ça c'est courir tout droit dans la secte. 왜 우리가 구원을 강조해야 될까요? Mais pourquoi nous on insiste sur le salut? 하나님이 우리에게 성경을 주신 이유가 무엇입니까? Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Bible? 사람을 구원하시려고 성경을 주신 겁니다. Il nous donne la Bible afin de sauver les hommes. 하나님이 역사를 이끌어 가신 이유가 무엇일까요? Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui règne et qui dirige sur l'histoire? 사람을 구원하시려고 역사를 시작하셨던 겁니다. Il a commencé l'histoire pour sauver l'homme. 예수님 이름의 뜻이 무엇이죠? Que signifie Jésus? 예수의 이름의 뜻이 뭐죠? Que signifie le nom Jésus? 구원이란 뜻인 겁니다. Sauveur. 성경에서 가장 그래서 구원의 문제가 중요하게 다루어져야 합니다. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on mette l'accent sur le salut. 그래서 구원이 강조되지 않으면 정통이 될 수 없는 겁니다. Et on ne peut pas être dans la véritable doctrine, l'orthodoxie, si on n'insiste pas sur le salut. 한국에서 많은 교회가 우리 생명의 말씀 선교회를 이단이라고 오해합니다. Et en Corée, il y a beaucoup d'églises qui considèrent que notre assemblée est une secte. 우리 교회를 핍박하고 공격합니다. Il nous attaque et il nous persécute. 그 이유가 우리가 구원을 강조하기 때문입니다. Et la raison, c'est parce qu'on insisterait trop sur le salut. 우리 보고 구원을 강조한다고 해서 우리를 이단이라고 하는 겁니다. Ils disent qu'on est une secte parce qu'on insiste trop sur le salut. 정통은 구원을 강조해야 됩니까? 강조하지 말아야 됩니까? Mais pour être dans la véritable doctrine, est-ce qu'il faut insister sur le salut ou pas? 강조해야 되는 겁니다. Il faut. 이건 당연한 문제가 되는 겁니다. Ça, c'est évident. 아멘. 살아계신 하나님 앞에서 첫 번째, 인간이 죄인이라는 것을 강조해야 되고. Donc la première des choses sur lesquelles il faut insister devant Dieu, c'est que l'homme est pécheur. 죄인이기 때문에 두 번째 구원이 필요하잖아요. Et parce que l'homme est pécheur, on a besoin de la deuxième condition qui est le salut. 그리고 세 번째입니다. 세 번째. Troisième. 세 번째 정통의 조건입니다. Troisième condition pour être dans la véritable doctrine. 자, 그럼 구원을 받아야 되는데 구원은 어떻게 받을 수 있을까요? Il faut recevoir le salut, mais comment on reçoit ce salut? 여기 5절에 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 이렇게 말씀하셨습니다. Le verset 5 nous dit bien que c'est non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. 인간의 행위로, 인간의 선행으로는 구원이 이루어지지 않습니다. Le salut ne peut pas s'accomplir par la justice, par les œuvres de l'homme. 사람이 구원받는 근거는 인간의 행위가 아닙니다.
Et donc la base du salut, ce n'est pas du tout ce que ferait l'homme. 그래서 인간이 착하게 살아서 인간이 하나님 말씀을 지켜서 구원받는다고 주장하는 것은 가장 끔찍한 이단이 되는 겁니다. Et donc c'est la pire des sectes que celle qui avance que c'est par les œuvres et par la justice de l'homme qu'on entre dans son royaume. 아멘. 인간의 행위로 구원받는다고 가르치는 것은 가장 무서운 이단이 되는 겁니다. Et c'est la pire et la plus terrifiante des sectes que celle qui annonce que c'est par les œuvres qu'on va au ciel. 세 번째 종통의 조건인 겁니다. On est ici dans la troisième condition pour être dans l'orthodoxie. 행위로 것을 강조해야 되는 겁니다. Il nous faut donc insister sur la grâce. 여기 분명하게 말씀했습니다. Il nous le dit ici. 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고. Que c'est non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. 하나님은 죄인으로 태어나서 지옥 가는 사람에게 어떠한 것도 기대하지 않으셨습니다. Parce que Dieu, vis-à-vis de l'homme qui est né pécheur et qui va en enfer, il n'attend rien de lui. 그러니까 행위로 구원을 받을 수 있다고 믿는 사람은 성경을 아무것도 모르는 사람이 되는 겁니다. Et donc quelqu'un qui dirait que c'est par les œuvres de justice qu'on va au ciel, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à la Bible. 내가 이렇게 착하게 사는데 설마 지옥 갈까? 이렇게 생각하는 사람은 성경이 하나님을 조금도 모르는 사람이 되는 겁니다. Et une personne qui dit "Eh, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, moi je peux pas aller en enfer." C'est quelqu'un qui n'a rien compris de la Bible et qui ne connaît pas Dieu. 누가복음 18장에 바리새인과 세리가 나옵니다. Dans Luc chapitre 17, on nous parle du pharisien et du scribe. 하나님은 세리를 의롭다 함을 구원해 주셨잖아요. Mais on voit que c'est le publicain qui a été justifié. 누가복음 23장에 예수님 옆에 달린 강도가 구원을 받았습니다. Et dans Luc chapitre 23, on voit que le bandit qui était crucifié à côté de Jésus, lui a reçu le salut. 성경 창세기부터 요한계시록까지 행위로 구원받을 수 없다는 것을 분명하게 얘기하고 있는 겁니다. Et donc depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres de justice. 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. La Bible le dit très clairement. 유명한 구절입니다. Ce sont des versets très connus. 우리 같이 한번 읽겠습니다. On va les lire ensemble. 1, 2, 3. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. 다시. 네. On recommence. Éphésiens 2, 8절, 9절. Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9. 1, 2, 3. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 9절에 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 합니다. 분명히 말씀하셨습니다. Et le verset 9 est très clair, c'est non à cause de nos œuvres. 디모데후서 1장 9절. On lit ensemble 2 Timothée chapitre 1 verset 9. 한번 읽어주세요. Si vous pouvez lire. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 많은 사람들이 착하게 살면 행위로 천국 간다고 믿습니다. Et beaucoup pensent que s'ils vivent en faisant de bonnes œuvres, ils vont aller au ciel. 많은 종교가 착하게 살면 천국 간다고 가르칩니다. Et beaucoup de religions enseignent ça que les bonnes œuvres conduisent au ciel. 이슬람교도 그렇습니다. L'islam le fait de même. 힌두교도 그렇습니다. Même l'hindouisme. 이슬람교도 그렇습니다. No. 부두교도 그렇습니다. Même le vaudou. 인간의 행위로 천국 간다고 가르치잖아요. Ils disent que ce sont les bonnes œuvres qui conduisent au ciel. 그리고 지금도 많은 기독교에서 믿음으로 간다고 이야기하지만 사실은 행위로 열심히 해서 천국 간다고 믿고 있는 겁니다. Mais même parmi les chrétiens, beaucoup enseignent bon, c'est par la foi, mais ils ajoutent toujours les bonnes œuvres et ce qu'on fait. 이것을 완전히 우리가 부숴야 되는 겁니다. Mais ça c'est quelque chose qu'il nous faut complètement détruire. 우리가 완전히 이것을 확실히 알고 그 사람들을 깨부숴야 되는 겁니다. C'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on soit clair et que qu'on détruise dans la pensée des gens. 교회를 다녀서 천국 가는 게 아닙니다. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on va dans le royaume des cieux. 천국 가는 게 아니고. Et c'est pas parce qu'on parle en langue. 헌금에서 천국 가는 게 아니고. C'est pas les dons qu'on fait qui vont nous conduire au ciel. 기적을 행해서 천국 가는 것이 아니고. Les miracles ne nous sauveront pas non plus. 인간이 착하게 살아 천국 가는 것이 아니라는 것을 확실하게 가르쳐야 되는 겁니다. Et il faut qu'on enseigne clairement que ce n'est pas être gentil ou les bonnes œuvres qui conduisent au ciel. Amen. 구원은 행위로 되는 것이 아니라 믿음으로 받습니다. Parce que ce n'est point par les œuvres, c'est par la grâce, la foi. 네 번째 종통의 조건입니다. Et quatrième raison, condition. 여기 오직 힘을 쫓아 라고 되어 있죠. 오직 그의 긍휼하심을 쫓아. Ici c'est marqué selon sa miséricorde. 자, 한번 물어보겠습니다. Je vais vous poser une question. 구원의 열쇠는 누가 갖고 있습니까? Qui a les clés du salut? 구원의 키는 누가 가지고 있습니까? Qui a la clé pour le salut?
하나님이 갖고 계시죠. Dieu. 이것이 정통인 겁니다. Ça, c'est l'orthodoxie. 네 번째 정통의 조건입니다. C'est la quatrième condition pour être dans la véritable doctrine. 구원의 열쇠는 하나님이 갖고 계십니다. C'est que c'est Dieu qui détient la clé du salut. 인간이 구원을 받는 조건은 하나님의 동일하심에 기인합니다. Et justement, pour le salut des hommes, c'est la miséricorde de Dieu qui compte. 하나님이 그 사람을 불쌍히 여겨주시고 그 사람을 도와주실 때 그 사람이 구원받을 수 있는 거잖아요. C'est lorsque Dieu a de la pitié pour la personne, c'est lorsque c'est Dieu qui aide que cette personne peut être sauvée. 구원의 열쇠는 오직 하나님이 갖고 계시는 겁니다. La clé du salut est dans la main de Dieu et seulement de Dieu. 요한계시록 3장 7절에 예수님께서 빌라델비아 교회에게 말씀하셨습니다. Dans Apocalypse chapitre 3 dans les versets, c'est Jésus qui s'adresse Dieu s'adresse à l'église de Philadelphie. 7절에 보시면 dans le verset 7절에 예수님을 가리켜서 다윗의 열쇠를 가지신이라고 되어 있습니다. Dans le verset 7, on nous parle de Jésus et on nous dit que c'est celui qui a la clé de David. 예수님이 다윗의 열쇠를 갖고 계십니다. Jésus a la clé de David. 하나님이 다윗에게 약속하신 언약은 예수님을 통해서 이루어졌잖아요. Et la promesse qui a été faite à David s'est accomplie en Jésus. 그러니까 여기 다윗의 열쇠는 사실 구원의 열쇠인 겁니다. Et donc ici la clé de David, c'est la clé du salut. 구원의 열쇠를 지금 누가 갖고 있습니까? Et qui a la clé du salut actuellement? 주님이 갖고 있는 겁니다. Le Seigneur. 그러니까 구원의 키는 주님이 갖고 계시는 겁니다. C'est donc le Seigneur qui a la clé du salut. 주님이 다윗의 열쇠를 갖고 계시기 때문에 마음 문을 열어 주시면 그 사람이 구원받게 되는 거예요. Et c'est parce qu'il c'est lui qui a la clé du salut lorsque la personne lorsque son cœur s'ouvre alors il peut rentrer. 오늘날 다른 교회의 대표적인 전도 방법이 영접 기도입니다. Mais un beau jour on voit que la technique qui est répandue dans les églises c'est la prière de pour recevoir le Seigneur. 영접 기도를 하면 성령이 자기 마음속에 들어오셔서 구원을 받는다는 거예요. Et ils disent qu'il faut donc prier pour faire entrer pour recevoir le Seigneur et c'est comme ça qu'on recevrait le Seigneur. 아주 심각한 문제입니다. Mais ça c'est vraiment un problème grave. 영접 기도로 구원을 받는다면 구원의 열쇠를 누가 갖고 있는 겁니까? Parce que si c'est la prière de pour recevoir le Seigneur qui marche, alors la clé du salut dans la main de qui elle est? 사람이 갖는 게 되는 겁니다. C'est l'humain qui a la clé du salut. 영접 기도의 가장 큰 문제점은 하나님과 사람을 대등한 위치에 놓는다는 겁니다. Parce que le problème fondamental dans cette manière de recevoir dans la prière pour recevoir le salut c'est que on met l'homme égal à Dieu. 하나님과 사람을 대등한 위치에 놓고 사람이 원하기만 하면 언제든지 주님을 영접할 수 있고 구원받을 수 있다고 믿는 겁니다. Et on fait penser aux gens que l'homme est égal à Dieu et que il peut recevoir le salut quand il le veut. 그거는 정통이 아닙니다. Ça ce n'est pas l'orthodoxie, la véritable doctrine. 구원의 열쇠는 하나님이 갖고 계시는 겁니다. C'est Dieu qui a la clé du salut. 대표적인 예가 루디아라고 할 수 있잖아요. Et on a un exemple très représentatif avec Lydie. 구원의 역사의 주체는 주님이 되시는 겁니다. Parce que pour le salut, c'est quelque chose que c'est Dieu qui organise. 14절 우리 같이 읽겠습니다. On lit ensemble le verset 14. Un, deux, trois. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. 루디아는 하나님을 공경하고 하나님을 간절히 찾던 여인이었습니다. Lydie était une femme qui craignait Dieu mais qui écoutait. 그래서 복음 말씀이 전해질 때 하나님이 그 마음을 열어서 깨닫도록 도와주셨던 겁니다. Et c'est pour ça que alors qu'elle écoutait, c'est le Seigneur qui l'a aidée en lui ouvrant le cœur. 사람은 구원받기 위해서 먼저 자기가 죄인이란 걸 깨달아야 합니다. Pour que quelqu'un soit sauvé déjà, faut qu'il comprenne qu'il est pécheur. 그리고 자기의 능력으로는 자기의 행위로는 구원받을 수 없다는 것을 확실하게 알아야 됩니다. Il faut qu'il connaisse clairement que ce n'est pas par ses œuvres qu'il pourra être sauvé. 그리고 구원받기를 갈망해야 되고. Et il faut justement aspirer au salut. 그때 누군가가 확실한 복음을 전해 주었을 때. Alors quand le véritable évangile est prêché. 하나님이 도와주셔서 구원받도록 도와주시는 거예요. Dieu, le Seigneur va aider pour que son cœur s'ouvre et que cette personne soit sauvée. 아멘. 구원의 키는 하나님이 갖고 계시는 겁니다. Parce que la clé du salut est dans la main du Seigneur. 여기 주께서 그 마음을 열었다고 되어 있잖아요. Il est bien écrit ici, le Seigneur lui ouvrit le cœur. 구원은 사람이 영접해서 받는 게 아닙니다. Le salut ce n'est pas quelque chose que l'homme reçoit quand il veut. 주님이 안 도와주시면 한 명도 구원받을 수 없는 겁니다. Si le Seigneur n'aide pas, personne ne peut être sauvé. 사람이 한 명이 구원받기 위해서는 주님이 도와주셔야 되는 겁니다. Pour que une personne soit sauvée, il faut que le Seigneur aide. 그래서 이번에 베닝 수양에 많은 사람이 구원을 받았습니다. Et on a vu à la convention du Bénin que de nombreuses âmes avaient été sauvées. 주님이 우리와 함께 하신다는 증거입니다. C'est la preuve que le Seigneur est avec nous.
주님이 도와주셨다는 증거인 겁니다. C'est la preuve que le Seigneur a aidé. 우리가 아무리 열심히 전해도 주님이 안 도와주시면 한 명도 구원받을 수가 없습니다. Parce que nous on pourra tout donner pour prêcher, mais si le Seigneur n'aide pas, personne ne peut être sauvé. 아멘. 구원의 키는 예수님이 갖고 계십니다. Et c'est le Seigneur qui détient la clé du salut. 이것을 우리가 확실하게 말해야 되는 겁니다. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on parle clairement. 그리고 다섯 번째로 cinquième condition. 정통의 조건 다섯 번째입니다. La cinquième condition pour être dans l'orthodoxie, la véritable doctrine. 이 말씀이 아주 중요합니다. Et ce passage est très important. 구원을 받을 때 이런 일이 벌어지는 겁니다. Parce qu'on voit ce qui arrive quand on est sauvé. 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니. Il y a, c'est par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 하나님께서 우리를 불쌍히 여겨 주실 때, 우리를 도와주실 때 중생 거듭나는 것이 이루어집니다. Lorsque justement Dieu a pour nous de la miséricorde, lorsqu'il nous aide, alors il y a le baptême de la régénération. 내 사람이 거듭날 때 크게 두 가지의 변화가 있다는 겁니다. Et donc quand une personne reçoit le salut, il y a deux changements chez elle. 사람이 구원을 받았다는 것은 크게 두 가지의 의미가 있습니다. Donc il y a deux significations lorsqu'on dit qu'on a reçu le salut. 첫 번째는 중생의 씻음이 La première, c'est qu'il y a le baptême, le lavage de la régénération. 그리고 두 번째는 성령의 Et le deuxième, c'est le renouvellement du Saint-Esprit. 사람이 거듭날 때 하나는 씻음이 있습니다. 첫 번째 씻음. Donc il y a le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 씻는 겁니까? Qu'est-ce que ce baptême? 무엇을 씻는 거죠? Mais on est baptisé, on est lavé de quoi? péché. 맞아요. 죄입니다, 죄. On est lavé du péché. 첫 번째 사람이 구원받을 때 죄 씻음이 있는 겁니다. 죄 La première des choses lorsque la personne est lavée est sauvée, pardon, c'est qu'elle est lavée de ses péchés. 자매님 여기 바템이라는 것이 씻는다는 의미도 있는 거죠. 침례 아니죠. 씻는 거죠. 바템이 침례 의미도 있지만 씻어 버린다는 의미도 있는 거죠. 그거는 저 잘 모르겠어요. 여기서는 씻는 거죠. 모르겠어요. 둘 다. 여기서 밥템 여기 이거는 침례의 의미보다도 침례의 의미보다도 씻는다는 의미인 겁니다. 씻어 버린다는 거. Parce que faut juste en fait le terme baptême ici la traduction fait que c'est pas le fait de rentrer dans l'eau, c'est le fait d'être lavé vraiment dans le terme original. 아멘. 구원을 받을 때 먼저 씻는 게 있는 겁니다. Et donc on est lavé quand on reçoit le salut. 뭘 씻을까요? Mais on est lavé de quoi? 죄를 씻는 겁니다. 죄. Du péché. 그래서 먼저 구원을 받는다는 것은 중생에는 첫 번째 씻는다는 의미가 있는 겁니다. 씻어버린. Et donc la première des choses quand on a le salut, c'est qu'on est lavé, donc le baptême de la régénération. 사람이 거듭날 때 반드시 죄 사함이 있습니다. Et donc lorsqu'une personne est sauvée, il faut forcément qu'elle ait été lavée de ses péchés. 6장 11절. Première épître aux Corinthiens chapitre 6 verset 11. 우리 같이 읽겠습니다. On lit ce verset ensemble. 1 2 3 Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 여기 너희 중에 이런 이와 같은 자들이 있더니. Et quelques-uns de vous. 구원받기 전에 이런 죄를 지은 사람들이 있었다 그런 뜻입니다. Et donc c'est là ce que vous étiez. Donc nous aussi, quelques-uns de nous avant on péchait. 근데 구원받을 때. 하나님의 성령 안에서 먼저는 씻음과 Mais on a été lavé 죄를 씻는 겁니다. Lavé du péché 죄사함 받을 때 씻음과 그 다음에 거룩함과 Donc on a été lavé du péché, vous avez été sanctifié 죄사함 받았기 때문에 거룩해지잖아요. Et quand on est lavé du péché, on devient saint 그리고 의롭다 하심을 얻었느니라 Mais vous avez été justifié 죄사함 받았기 때문에 거룩해졌고 Parce qu'on a été lavé de nos péchés, on est devenu saint 하나님이 의롭다 하심을 인정해 주셨던 겁니다. Et donc Dieu nous a jugé digne, il nous a dit vous êtes juste. 사람이 거듭날 때 첫 번째는 죄 사함이 있는 겁니다. 죄 사함. Donc la première des choses lorsque la personne est sauvée, c'est qu'il y a donc le pardon de ses péchés. 어떤 교회 다니는 사람은 구원받았다고 이야기하는데 죄 사함 받은 적이 없습니다. Mais certaines personnes disent qu'elles sont sauvées mais elles n'ont jamais connu justement la rédemption de leurs péchés. 한국에 그런 사람들이 많습니다. Beaucoup de personnes sont comme ça en Corée. 교회는 열심히 다니는데 죄 사함 받은 적이 없어요. Ils sont zélés, ils vont à l'église, mais ils n'ont jamais été lavés de leurs péchés. 아프리카에도 그런 사람들이 많죠.
Vous en avez peut-être beaucoup aussi en Afrique. 죄 사함 없는 구원은 없는 겁니다. Mais s'il n'y a pas, s'ils n'ont pas été lavés, pardonnés de leurs péchés, il n'y a pas de salut. 누가복음 1장 77절. Luc chapitre 1 verset 77. 여기 죄 사함으로 말미암는 구원이라고 말씀하셨습니다. Ici on nous parle du salut par le pardon de ses péchés. 성경에서 구원은 죄 사함인 겁니다. La Bible dit bien que le salut c'est le pardon des péchés. 사도행전 3장 19절에 베드로가 이렇게 얘기했습니다. Et voici ce que dit Pierre dans Actes chapitre 3 verset 19. 3장 19절 중요한 구절이죠. C'est un verset important, c'est Actes 3 19. 우리 같이 읽겠습니다. On va le lire ensemble. 1 2 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous. 다시 한번 읽겠습니다. On reprend. 5명이 안 읽으셨어요. J'en ai vu 5 qui ne lisaient pas. 다시 한번 읽겠습니다. On relit. 1 2 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 여기 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 구원을 받을 때 먼저는 죄 사함이 포함되어 있는 겁니다. La première des choses que comprend le salut c'est donc le pardon de nos péchés. 중생의 씻음이라고 하셨기 때문에 거듭남 안에는 반드시 먼저 죄 씻음이 있는 겁니다. On a donc le baptême de la régénération. Donc le premier élément du salut c'est être lavé de ses péchés. 죄 사함 받은 사람이 구원을 받은 사람인 겁니다. Une personne qui a été lavée de ses péchés qui est pardonnée est sauvée. 아멘. 에베소서 1장 7절에 구속 곧 죄 사함이라고 되어 있잖아요. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, on nous parle justement de la rédemption, on parle de la rémission des péchés. 골로새 1장 14절에도 구속 곧 죄 사함을 얻었도다 이렇게 말씀. Dans Colossiens chapitre 1 14 aussi, nous avions la rédemption, la rémission des péchés. 그래서 먼저 거듭남에는 반드시 죄 사함이 있는 겁니다. Donc la première des choses justement dans le salut c'est la d'être le baptême de la régénération, lavé de ses péchés. 그리고 두 번째로 deuxième élément 죄 사함 받을 때 중생 성령의 새롭게 하심이 있습니다. Et aussi, quand on est pardonné de nos péchés, la deuxième chose que cela comprend, c'est qu'on est, il y a le renouvellement du Saint-Esprit. 우리가 거듭날 때 이것도 동시에 이루어지는 겁니다. Et c'est quelque chose aussi qui se passe en même temps quand on est sauvé. 우리가 죄 사함 받을 때 성령이 우리 안에 들어오시잖아요. Quand on reçoit le salut, on reçoit le Saint-Esprit, n'est-ce pas? 성령이 들어오셔서 우리에게 새로운 성품을 주시고, 새로운 마음을 주시고. 새로운 인생을 살게 도와주시는 겁니다. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, il nous donne donc un nouveau cœur, il nous donne un nouveau tempérament, il nous aide pour changer au quotidien. 죄 사함 받을 때 성령이 들어오십니다. Et c'est lorsqu'on reçoit le pardon des péchés que l'Esprit rentre en nous. 이것도 확실하게 이야기해야 됩니다. Et ça aussi c'est quelque chose dont il faut qu'on puisse parler clairement. 사도행전 2장 38절에 Dans Acte chapitre 2 verset 38, 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. Donc repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 죄 사함을 받을 때 성령을 선물로 받는다고 말씀하신 겁니다. Et il dit bien qu'il y a le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 아멘. 갈라디아 3장 2절에 Dans Galates chapitre 3 verset 2. 밑에 말씀을 한번 읽어 주세요. Si on peut lire ce verset. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi. 그래서 사람이 죄 사함을 받을 때, 구원 받을 때 성령이 우리 안에 들어오신다는 것을 우리가 확실히 가르쳐야 된다는 겁니다. Et il faut donc que nous on enseigne clairement que lorsqu'une personne est pardonnée de ses péchés, lorsqu'elle est sauvée, elle reçoit le Saint-Esprit. 오순절 계통의 교회가 문제가 있습니다. Il y a un problème chez les pentecôtistes. 죄 사함과 무관하게 성령을 받는다고 가르치잖아요. Parce que eux, ils enseignent la réception de l'esprit, mais ils ne la lient pas du tout au fait d'être pardonnés de nos péchés. 성령을 받았다고 이야기하는데 죄 사함 받은 적이 없는 겁니다. Ils ont soi-disant reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont jamais été pardonnés de leurs péchés. 그거 이단인 겁니다. Ça, c'est sectaire. 사람이 거듭날 때 죄 사함을 받고 죄 사함 받을 때 성령이 우리 안에 들어오시는 겁니다. C'est parce que c'est lorsqu'on reçoit le pardon de nos péchés, c'est alors que purifie le Saint-Esprit entre en nous. 그리고 성령은 우리 안에 들어오셔서 구원받은 사람을 새 사람으로 바꾸어 가시는 겁니다. Et une fois le Saint-Esprit en nous, il nous transforme. 여기 디도서 3장 6절 보겠습니다. 6절. On est dans Tite chapitre 3 verset 6. 같이 한번 읽겠습니다. On le lit. 1 2 3 Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. 성령이 들어오시는 통로는 예수 그리스도께서 하신 일을 믿을 때입니다. 성령이 들어오시는 통로는 예수 그리스도께서 하신 일을 믿을 때입니다. Et on reçoit le Saint-Esprit justement quand on croit, quand on a foi en ce que le Seigneur a fait. 죄 사함 받을 때 성령이 들어오시고 Et c'est quand on reçoit le pardon des péchés qu'on reçoit le Saint-Esprit.
성령으로 인해서 그 사람이 새 사람이 되고 새로운 인생을 살게 되는 겁니다. Et la personne qui a reçu le Saint-Esprit est transformée et mène une est renouvelée dans sa vie, elle mène une nouvelle vie. 그리고 성령을 받은 사람에게 주님이 성령을 풍성히 부어 주시는 거예요. Et la personne qui a reçu le Saint-Esprit, le Seigneur après lui donne abondance dans l'esprit. 이것을 성령 충만이라고 이야기하는 겁니다. Et c'est ce qu'on dit quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit. 구원을 받았다 하더라도 성령 충만을 받지 않은 사람은 힘 있게 살 수 없습니다. Et même si on est sauvé, mais si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne va pas pouvoir vivre activement. 구원받은 모든 사람은 성령을 받았습니다. Toute personne sauvée a reçu le Saint-Esprit. 근데 모든 사람이 성령 충만을 받은 건 아니거든요. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est rempli de l'Esprit. 아멘. 성령을 받은 것과 성령 충만은 다른 겁니다. Avoir reçu l'Esprit, être rempli de l'Esprit, ce sont deux choses différentes. 구원받은 사람이 성령의 충만을 받을 때 정상적으로 신앙생활을 할 수 있는 겁니다. Et c'est que c'est justement quand nous sommes remplis de l'esprit que nous pouvons marcher droit. 그리고 여섯 번째로 sixième condition 여섯 번째 정통의 조건입니다. Sixième condition pour être dans l'orthodoxie, la véritable doctrine. 7절 같이 읽겠습니다. On lit ensemble le verset 7. 1 2 3 afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 은혜로 의롭다 하심을 받은 사람은 하나님의 자녀, 후사가 되는 겁니다. Et donc une personne justifiée par sa grâce devient héritier de la vie éternelle. 이걸 확실하게 가르쳐야 됩니다. C'est quelque chose qu'il nous faut aussi enseigner clairement. 하나님 예수님이 하신 일이잖아요. 은혜가요. Et quand on parle de la grâce, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que le Seigneur fait. 우리가 예수님이 하신 일에 힘입어 의롭다 하심을 얻었습니다. 구원을 받았습니다. Et donc nous avons été justifiés par sa grâce, c'est ce qu'il a fait qui nous a sauvés. 그 결과 영생의 소망을 따라 후사가 되게 하려 하십니다. 후사가 됐죠. Et ça c'est afin que nous devenions en espérance héritiers. 우리가 구원받을 때 성령이 우리 안에 들어오시고 quand nous recevons le salut, nous recevons le Saint-Esprit. 성령은 양자의 영인 겁니다. Et c'est un esprit d'adoption. 그러니까 구원받은 즉시 하나님의 자녀가 되었고 Et c'est justement à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. 하나님의 자녀이기 때문에 상속자가 된 겁니다. 후사가 된 겁니다. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc héritiers. 이것이 정통의 가르침인 겁니다. Et c'est aussi un des enseignements de l'orthodoxie. 로마서 8장 15절 Dans Romains chapitre 8 verset 15. 여기 성령을 가리켜서 양자영이라고 말씀하셨습니다. Ici justement en parlant du Saint-Esprit, on parle de l'esprit d'adoption. 그래서 16절, 17절. On lit ensemble le verset 16 et 17. 아니면 이 말씀 다 한번 읽어 주세요. 15절부터요. On va lire les trois versets ensemble à partir du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. 중생할 때, 거듭날 때 성령이 우리 안에 들어오시고 Quand il y a donc le baptême de la régénération, quand on reçoit le salut, 양자의 영입니다. On reçoit le Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption. 그래서 구원받은 모든 사람은 하나님의 자녀가 되는 겁니다. Et donc toute personne sauvée est devenue enfant de Dieu. 자녀이기 때문에 후사가 되잖아요. Et parce qu'on est enfant, on est héritier. Amen. 이걸 우리가 확실하게 가르쳐야 되는 겁니다. Et ça, il faut qu'on l'enseigne certainement. 그리고 우리가 죄 사함 받을 때 들어오신 성령은 나가십니까 안 나가십니까? Et l'esprit qu'on a reçu lorsqu'on a été pardonné de nos péchés, est-ce qu'il ressort? 어제 배우셨죠? On a vu ça hier, n'est-ce pas? 영원히 안 나가십니다. Jamais il ne ressortira. 그래서 한 번 받은 구원은 영원한 겁니다. Et c'est pour ça que le salut qu'on a reçu est éternel. 어떤 사람들은 구원을 받아도 잘못 살면 구원이 이루어질 수 있다고 주장합니다. Certaines personnes avancent que même si on a reçu le salut, si on ne vit pas comme il faut, on peut perdre ce salut. 성령이 들어오셨다가 죄를 지으면 성령이 나가신다고 주장합니다. Ils avancent que si on a reçu le Saint-Esprit mais qu'on pêche, alors il ressort. 절대 성경적이지 않습니다. Ça, ce n'est vraiment pas biblique. 그것이 이단적인 가르침이 되는 겁니다. Ça, c'est un enseignement sectaire. 자, 3장 8절. Tite chapitre 3 verset 8. 그 것만 한번 읽어주세요. Est-ce qu'on peut lire juste la partie qui est soulignée? Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses.
사도 바울이 분명히 말씀했습니다. Ici l'apôtre Paul est clair dans ce qu'il dit. 앞에서 이야기한 내용을 굳세게 말하라는 겁니다. Il dit cette parole, donc ce qu'il a dit avant, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. 초대교회가 그렇게 강조했던 사실이 바로 이 사실이었던 겁니다. Et on voit sur quoi il a insisté aussi lors des premières églises. 2000년 교회가 정통이 이걸 강조했던 겁니다. Et on le voit que durant 2000 ans d'histoire, l'église a toujours insisté sur ça. 첫 번째. Sur la première chose. 사람이 하나님 앞에 죄인이란 걸 강조한 겁니다. Il en a toujours insisté sur le fait que l'homme est pécheur devant Dieu. 하나님 앞에 완전히 이루어져 있고 지옥과 심판을 받는다는 걸 강조했습니다. On a toujours insisté sur le fait que l'homme est complètement perdu et qu'il va finir en enfer. 그리고 두 번째로 deuxième chose. 사람이 반드시 구원받아야 한다는 걸 강조했습니다. Toujours insisté sur le fait que l'homme doit absolument être sauvé. 세 번째로 troisième élément. 사람이 행위로 구원받을 수 없다는 걸 강조했던 겁니다. Et on a toujours insisté tout au long de l'histoire sur le fait que l'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres. Et quatrième 구원의 키는 하나님이 갖고 계신다. 이걸 강조했습니다. On a toujours insisté sur le fait que la clé du salut est dans la main de Dieu. 하나님의 오직 긍휼하심을 쫓아 구원받을 수 있는 겁니다. C'est seulement par la miséricorde de Dieu qu'on peut être sauvé. 그리고 다섯 번째로 cinquième point. 사람이 구원받을 때 죄 사함이 이루어지고 quand on reçoit le salut, on est donc pardonné de nos péchés. 그다음에 또 뭐가 있죠? Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? 성령의 새롭게 하심이 들어 있는 겁니다. On a donc justement le renouvellement du Saint-Esprit. 사람이 구원받을 때 크게 두 가지 내용이 있는 겁니다. Et donc on a ces deux éléments quand une personne est sauvée. 죄 사함이 있고 il y a le pardon des péchés. 성령이 들어오시는 겁니다. Et le Saint-Esprit qui entre dans la personne. 그리고 여섯 번째로 et sixième élément. 구원을 받은 사람은 하나님의 아들이 되고 하나님의 상속자가 된다. C'est que quand une personne est sauvée, elle devient enfant de Dieu et donc héritier de Dieu. 이것을 굳세게 말하라고 말씀하신 겁니다. Et il dit je veux que tu affirmes ces choses. 이것이 정통입니다. Ça c'est ça l'orthodoxie. 아멘. 디도서 3장은 정통이 무엇인지를 확실하게 가르치고 있습니다. Donc dans Tite chapitre 3, on enseigne clairement ce qu'est la véritable doctrine, l'orthodoxie. 이어서 사도 바울이 또 이렇게 얘기했습니다. Et l'apôtre Paul continue en disant juste ce qui est souligné afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. 일곱 번째입니다. 일곱 번째. On est dans le septième point. 구원받은 사람은 선한 일을 힘써야 된다. Il faut que les sauvés s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. 여기 선한 일이 나옵니다. On nous parle des bonnes œuvres ici. 선한 일은 구원과 관계된 것이 아니라 구원받은 이후에 상급과 관계되어 있는 겁니다. Mais les bonnes œuvres ici ne sont pas liées au salut. Les bonnes œuvres sont liées à après le salut, à la rétribution. 아멘. 아까 구원은 사람의 의로운 행위로 되지 않는다고 말씀하셨잖아요. Parce que on a bien vu tout à l'heure dans les versets que on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. 근데 이제 구원받은 사람은 구원받은 이후에 선한 일에 힘써야 되는 겁니다. Mais une personne sauvée après son salut doit désormais s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. 구원받은 이후에 아무렇게나 죄를 지어도 된다. 성경은 그렇게 가르치지 않습니다. La Bible n'a jamais enseigné que après le salut on peut pécher comme bon nous semble. 이제 구원받은 사람은 선한 일에 힘써야 된다. Il faut que des Ce que la Bible enseigne, c'est que désormais une personne sauvée doit s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. 행위로 거듭나는 것은 아니지만 거듭난 이후에 선한 일에 힘써야 하는 겁니다. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais une fois sauvé, il faut pratiquer de bonnes œuvres. 그럼 선한 일이 무엇일까요? Mais qu'est-ce que ces bonnes œuvres? 빌립보서 2장에는 선한 일에 대해서 잘 말하고 있습니다. Philippiens chapitre 2 nous décrit bien quelles sont ces bonnes œuvres. 빌립보서 2장에는 구원받은 사람이 해야 되는 선한 일 세 가지가 나옵니다. Et dans Philippiens chapitre 2, on nous parle de trois bonnes œuvres qu'un sauvé doit pratiquer. 2장 4절 한번 읽어 주세요. On lit Philippiens chapitre 2 verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 먼저 자기 일이 나오잖아요. Déjà il est dit donc ses propres intérêts. 우리가 해야 되는 자기 일이 있습니다. Et donc il y a ce que nous on doit faire. 그리고 두 번째로 다른 사람들의 일이 있습니다. Et il faut considérer aussi donc les intérêts des autres. 그리고 세 번째로 et troisième chose. 21절 22절도 한번 읽어 주세요. On lit le verset 21 et 22. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. 여기 그리스도 예수의 일이 나옵니다. Ici, on nous parle donc au service de l'Évangile. 구원받은 사람이 해야 되는 세 가지의 선한 일입니다. Et donc ici, on voit les trois bonnes œuvres que le sauvé doit faire. 우리가 가정 생활을 하고 직장 생활을 하고 하나님 말씀대로 살아가는 모든 것이 선한 일인 겁니다. Et que ce soit dans le cadre de la famille, dans le cadre du travail, où qu'on soit, justement, toutes ces bonnes œuvres.
남편으로서 가정에 충실히 하고 il faut que en tant que mari on soit dévoué à la famille aussi 아내로서 가정 일을 하고 il faut qu'en tant que épouse dans la famille on prenne soin de cette famille 직장 생활을 성실히 하는 것 il faut qu'on soit sérieux et diligent dans le au travail aussi 그것도 신앙 생활이고 선한 일인 겁니다 et ça aussi c'est une bonne œuvre il faut être dévoué aussi dans l'assemblée 교회 안에서의 생활만 신앙 생활이 아닌 겁니다 la marche n'est pas seulement quand je suis à l'église pour l'église 아멘 그리고 다른 사람들의 일이 있습니다. Et il y a aussi donc les intérêts des autres. 우리는 세상의 빛입니다. Nous sommes la lumière du monde. 우리가 자기 일에 최선을 다할 뿐만 아니라 다른 사람의 일도 도와줄 수 있어야 되는 겁니다. Il faut que non seulement on soit consacré à ce que nous faisons mais aussi à ce qu'on aide les autres. 그리고 마지막으로 그리스도 예수의 일이 있습니다. Et il y a aussi donc au service de l'évangile. 그리스도 예수의 일이 무엇일까요? Et il y a les intérêts de Jésus-Christ, pardon. Qu'est-ce que sont ces intérêts? 22절 마지막에 나와 함께 복음을 위해 수고하였느니라. Et donc le verset 22 nous explique les intérêts de Jésus-Christ, c'est se consacrer au service de l'Évangile avec moi. 복음을 위해 수고하는 겁니다. Et donc se donner pour l'Évangile. 이게 다 선한 일입니다. Et donc tout cela, ce sont des bonnes œuvres. 네, 이 중에서 가장 큰 선한 일이 무엇이겠어요? Mais quelle est la plus grande des bonnes œuvres ici? 구원받은 사람들이 교회에서 서로 사랑하고. 구원받은 사람들이 서로 사랑하고 que les saints s'aiment les uns les autres 이 복음을 더 많은 사람들에게 전하는 겁니다. Et de prêcher cet évangile au plus grand nombre 이것이 최고의 선인 겁니다. Ça c'est le plus grand bien qu'on puisse faire. 그러니까 구원을 받은 이후에 선한 일에 힘써야 할 것을 분명하게 가르쳐야 되는 겁니다. Et il faut donc qu'on enseigne aussi avec certitude qu'après le salut, il faut que l'on s'applique à pratiquer les bonnes œuvres. 디도서 2장 14절에도 Dans Tite chapitre 2 verset 14 aussi. 같이 한번 읽겠습니다. On relit ce verset. 1, 2, 3. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 예수님이 왜 우리를 대신하여 죽으시고 우리를 구원해 주셨을까요? Mais pourquoi est-ce que Jésus est mort à notre place? Pourquoi a été crucifié pour nous? 선한 일에 열심하는 신백성이 되게 하려 하심이니라. Et il a fait cela afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et 선한 일에 힘쓰게 하려고 우리를 구원해 주신 겁니다. S'il nous a sauvés, c'est afin que l'on soit zélé pour les bonnes œuvres. 그래서 구원을 받은 이후에 자기 마음대로 살아도 된다라고 가르치면 이건 이단적인 가르침이 되는 겁니다. Et donc si quelqu'un enseigne que après le salut on peut pécher comme on veut, ça c'est sectaire. 자, 3장 10절입니다. Chapitre 3 verset 10. 같이 한번 읽겠습니다. On lit ensemble. 1 2 3. Et loin de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. 그래서 우리가 정통의 기준에 대해서 우리가 배웠습니다. Donc on a vu ce qui étaient les fondamentaux de l'orthodoxie. 디도서 3장에 나와 있는 정통의 기준을 7가지로 정리해 볼 수 있는 겁니다. Et donc on peut classer en 7 points quels sont les fondamentaux de l'orthodoxie dans Tite 3. 다들 기억하셨죠? Vous vous souvenez des 7 éléments? 그럼 이단이 무엇일까요? Alors qu'est-ce que la secte? 이 정통의 반대가 이단이 되는 겁니다. C'est donc tout ce concept complètement contraire à l'orthodoxie. La première des choses. 인간이 죄인이 아니라고 죄인이라는 걸 강조하지 않으면 이단이 되는 겁니다. Et donc on est une secte si on n'insiste pas sur le fait que l'homme est pécheur. 두 번째. Deuxième chose. 구원을 강조하지 않으면 이단이 되는 겁니다. Et si on n'insiste pas justement sur le jugement, on est aussi une secte. 세 번째. Troisième. 행위로 구원받을 수 있다고 가르치면 이단이 되는 겁니다. Si on prêche que on est sauvé par les œuvres, c'est une secte. 믿음과 행위를 섞어서 천국 간다고 가르치면 이단이 되는 겁니다. Si on enseigne que c'est et la foi et les œuvres qui sauvent, c'est une secte. 네 번째. Quatrième. 구원의 키는 하나님이 갖고 계시는데. Dieu détient la clé du salut. 사람의 결단으로 구원받을 수 있다고 가르치는 것은 이단이 되는 겁니다. Mais c'est sectaire que d'enseigner que ce serait sur décision de l'homme qu'il peut recevoir le salut. 구원의 길을 인간이 갖고 있다고 가르치는 모든 사상은 이단이 되는 겁니다. Et donc tout enseignement qui dirait que l'homme choisit quand il est sauvé est sectaire. 그리고 다섯 번째. Cinquième point. 구원받았다고 하는데 죄 사함 받은 적이 없는 건 이단이 되는 겁니다. C'est sectaire que de dire que la personne est sauvée si la personne n'a jamais reçu le pardon de ses péchés. 여섯 번째. Sixième. 구원을 받을 때 성령이 오시는데
구원받은 것과 상관없이 성령이 오신다고 가르치는 것은 이단이 되는 겁니다. C'est quand on est sauvé qu'on reçoit le Saint-Esprit, mais il y a ceux qui enseignent que on peut recevoir le Saint-Esprit sans lien avec le pardon des péchés. Ça, c'est sectaire. 그리고 한 번 들어오신 성령은 절대 나가지 않잖아요. Et le Saint-Esprit qui est entré jamais ne ressortira. 근데 잘못 살면 성령이 나갈 수 있다. 다시 말해서 구원이 이루어질 수 있다라고 주장하는 것은 이단이 되는 겁니다. Mais c'est sectaire que d'avancer que on pourrait perdre le salut, que le Saint-Esprit pourrait sortir. 마지막으로 Et pour finir, 구원받은 사람이 이제 함부로 살아도 된다. 이단입니다. Et enfin, ceux qui disent que vivre comme on veut, c'est possible, ça c'est sectaire. 구원받으면 천국 가게 됐기 때문에 이제 선한 일에 힘쓸 필요가 없다. 이건 이단인 겁니다. Et c'est sectaire que se dire bon ben maintenant vu qu'on a l'assurance d'aller au ciel, on n'est pas obligé de pratiquer les bonnes œuvres, ça c'est sectaire. 아멘. 디도서 3장은 정확하게 얘기하고 있는 겁니다. Et c'est ce que nous dit très précisément Tite chapitre 3. 이 말을 하면서 이단에서 벗어나라고 말하고 있는 겁니다. Et en parlant de tout cela, l'apôtre Paul dit éloigne de toi ceux qui provoquent les divisions. 근데 그 중에서도 가장 중요한 내용이 무엇일까요? 가장 중요한 정통의 기준이 무엇일까요? Mais parmi tout cela, quel est vraiment le critère le plus important de l'orthodoxie? 중생인 겁니다. 중생, 거듭남. C'est justement donc la nouvelle naissance, la régénération. 정통은 거듭나는 걸 강조해야 되는 겁니다. Il faut que l'orthodoxie donc prêche la régénération. 거듭남을 강조하지 않으면 정통이 될 수 없습니다. On ne peut être dans la véritable doctrine si on ne prêche pas la nouvelle naissance. 그리고 거듭나는 것을 강조하면 강조할수록 반드시 핍박을 받게 됩니다. Et plus on prêche la régénération, la nouvelle naissance, et plus les persécutions sont grandes. 참된 교회의 특징 크게 두 가지가 있습니다. Parce qu'il y a deux particularités à la véritable église. 첫 번째. La première. 참된 교회는 적다고 말씀하셨습니다. Il a bien dit que la véritable église était petite. 아멘. 정말 참된 교회는 적습니다. Et le nombre des sauvés n'est pas grand. 예수님 누가복음 13장에서 말씀하셨습니다. Et c'est Jésus qui nous le dit dans Luc chapitre 13. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. 예수님께서 직접 말씀하셨습니다. Et c'est Jésus qui a dit ça directement. 진짜 교회는 정말 적습니다. Et véritablement, on est peu nombreux dans la véritable église. 예수님을 믿는다고 하는 사람은 상당수가 가짜입니다. Et une grande majorité disent croire en Jésus, mais la plupart ne sont pas sauvés. 마태복음 7장 13절에도 이렇게 말씀하셨습니다. Et c'est ce qu'il nous a dit aussi dans Matthieu chapitre 7 verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 하나님이 보시는 진짜 교회는 적다는 겁니다. Et donc aux yeux de Dieu, la véritable église, on n'est pas nombreux. 예수님 첫 번째 그렇게 말씀하셨고요. Et c'est Jésus qui commence par nous dire ça. 그리고 두 번째. Et deuxième chose. 참된 교회는 반드시 핍박을 받게 될 것이다. Forcément que l'église qui prêche la régénération va être persécutée. 요한복음 15장 18절 19절. Dans Jean chapitre 15 verset 18 et 19. 우리 같이 읽겠습니다. On lit ensemble. 1 2 3. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime. 세상이 너희를 미워할 것이다라고 말씀하셨습니다. Et il dit, sachez que vous serez haïs du monde. 구체적으로 이 말씀에서 세상이 누구일까요? Mais de quel monde on parle ici? 예수님을 미워하는 사람들은 하나님을 잘 믿는다고 하는 사람들이었습니다. On parle de ceux qui dans ce monde disent aimer et croire en Dieu et qui pourtant sont contre Jésus. 지금도 마찬가지입니다. Et c'est encore le cas maintenant. 누가 참된 교회를 정말 미워할까요? Qui vraiment est la véritable église? 하나님을 믿는다고 하지만 구원받지 못한 사람들이 참된 교회를 미워합니다. Et donc ceux qui disent aimer Dieu mais qui ne sont pas sauvés vraiment haïssent la véritable église. 그래서 반드시 참된 교회는 핍박을 받게 되는 겁니다. Et donc forcément que l'église va être persécutée. 예수님도 미혹해하는 자라는 말을 들었습니다.
Et Jésus a même entendu dire de lui qu'il était tentateur. 예수님이 귀신의 왕이라는 말을 들었잖아요. Il a entendu aussi qu'il était le dieu d'une secte. 예수님을 죽인 세상에서 우리가 살고 있는 겁니다. Et nous vivons dans un monde qui a tué Jésus. 예수님의 열두 제자가 다 순교당했습니다. Et tous les disciples de Jésus ont été faits martyrs. 지금도 마찬가지입니다. Et c'est encore le cas maintenant. 사도행전 28장 22절 같이 읽겠습니다. On lit ensemble Actes chapitre 28 verset 22. 1, 2, 3. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. 사도 바울도 이단 소리를 들었습니다. L'apôtre Paul aussi a entendu dire de lui qu'il était une secte. 바울의 별명이 나사렛 이단의 괴수였잖아요. Et il avait même pour surnom chef de la secte des Naziréens. 그리고 바울이 전하는 이 복음은 어디서든지 반대를 받았습니다. Et donc où qu'il allait, il était persécuté. 사도 바울이 이렇게 말씀했습니다. Et voici ce qu'il dit. 디모데후서 3장 12절. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 그래서 특히 여기에 지금 전도자하고 임원분들이 계십니다. Et en particulier ici sont réunis pasteurs, prédicateurs et leaders. 참된 교회는 적습니다. La véritable église, on n'y est pas nombreux. 그리고 참된 교회는 반드시 핍박을 받게 됩니다. Et il y a forcément des persécutions. 그래서 우리에게 가장 필요한 마음 중에 하나가 담대한 마음인 겁니다. Et donc le cœur dont on a le plus besoin, c'est d'avoir justement d'être courageux, d'avoir de l'assurance. 담대한 마음이 없이는 주님을 끝까지 따를 수가 없을 겁니다. Parce que sans cette assurance, on ne peut pas suivre le Seigneur jusqu'au bout. 히브리서 10장에 35절, 34절, 35절. On est dans Hébreux, chapitre 10, le verset 34 et 35. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu. C'est jusqu'au 30, jusque-là. Non, non, c'est bon. 한국의 생명의 말씀 선교회도 교회가 세워진 지가 이제 40년이 넘었습니다. Et donc même pour Life Word Mission en Corée, ça fait un peu plus de 40 ans que l'évangile est arrivé. 한국에 복음이 전해지기까지가 굉장히 많은 핍박이 있었습니다. Et jusqu'à ce qu'on en arrive là où on est, il y a eu énormément de persécutions. 물론 지금도 있습니다. Et il y en a encore maintenant évidemment. 이단이라고 오해를 많이 받습니다. On est beaucoup considéré comme une secte. 성경을 보면 잘못된 점이 하나도 없는데. Alors que au regard de la Bible, il n'y a rien de mal. 거듭나지 못한 종교인들이 핍박을 많이. Mais justement, ces congrégations qui elles ne sont pas sauvées nous critiquent. 근데 그 핍박 속에서도 복음을 지금까지 전해 왔던 겁니다. Mais jusqu'à présent, c'est au milieu de la persécution que l'évangile a été prêché. 아프리카 교회도 마찬가지입니다. Et c'est pareil pour l'assemblée en Afrique. 특히 여기 베냉에서는 이단 시비가 많잖아요. Et au Bénin, on a beaucoup justement de sectes. 우리에게 담대한 마음이 필요합니다. Mais nous, on a besoin d'avoir ce cœur courageux et qui a de l'assurance. 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻느니라. 이렇게 말씀하셨습니다. Parce qu'il nous dit justement d'avoir de la persévérance, de ne pas de s'attacher à cette rémunération. 머지않아 우리 주님이 재림하실 겁니다. Et dans très peu de temps, le Seigneur revient. 주님이 재림하실 때 어떤 곳이 참된 교회고 어떤 곳이 거짓된 교회인지를 반드시 가르실 겁니다. Et lorsqu'il reviendra, sera fait le tri entre la véritable église et toutes les autres. 그때 모든 것이 다 드러나게 됩니다. Et alors tout sera révélé. 그때까지 우리가 담대함을 잊어서는 안 됩니다. Et il ne faut pas qu'on abandonne cette assurance jusqu'à ce jour. 그래서 첫 시간에는 정통과 이단에 대해서 좀 말씀을 드렸습니다. Et donc j'ai commencé donc ce sermon par vous parler de l'orthodoxie et l'hérésie. 정통과 이단을 잘 설명하고 있는 성경이 디도서 3장이라고 말씀드렸습니다. Et je vous disais que donc Tite chapitre 3 nous parle très bien de la véritable doctrine et de des sectes. 이 내용을 우리가 잘 기억해서 Souvenez-vous-en bien. 우리 신앙을 지키는데 그리고 많은 사람들을 건지고 세우는데 도움이 되면 좋겠습니다. Et j'espère que ça va vous aider pour vous-même pour être davantage établi et quand vous avez à parler aux autres. 네, 중간에 잠깐 찬양하는 시간을 좀 갖고요. On va écouter un cantique. 나머지 시간 이어서 하겠습니다. Et je vais reprendre juste après.
un cantique. On reprend. Que chacun regagne sa place. Et donc, dans un premier temps, je vous ai parlé donc de l'orthodoxie et de la secte. Et pour cette deuxième partie, je vais vous parler du royaume des cieux et de l'enfer. 우리 시대는 불신의 시대라고 할 수 있습니다. Et on peut vraiment dire que nous vivons dans une époque d'incrédulité. 노아 당시에 홍수가 온다는 것을 아무도 믿지 않았습니다. À l'époque de Noé, personne n'a cru à ce que le déluge arriverait. 노아와 여덟 식구만 노아의 여덟 식구만 믿었습니다. Seul Noé et donc les sept et donc les huit qui constituent sa famille ont cru. 근데 진짜 홍수가 있었습니다. Mais le déluge a véritablement eu lieu. 소돔과 고모라가 멸망한다는 것은 아브라함만 믿고 있었습니다. Et c'est comme aussi pour Abraham, il était le seul à croire à la destruction. 대다수의 사람들이 그 당시에 믿지 않았습니다. À l'époque, personne n'a cru non plus. 예루살렘이 멸망한다는 것은 에레미야와 바룩 몇 사람만 믿고 있었습니다. Et c'est comme pour la destruction de Jérusalem, il n'y a que le prophète Jérémie et quelques autres qui ont cru. 네, 실제로 하나님 말씀대로 예루살렘을 멸망했습니다. Mais tout comme la parole de Dieu l'avait dit, Jérusalem a été détruit. 예수님 당시에 예수님께서는 유대인들이 멸망할 거라고 분명히 말씀하셨습니다. Et à l'époque de Jésus, Jésus a clairement dit aux Juifs qu'il y aurait la destruction. 그 당대에 많은 사람들이 믿지 않았습니다. Mais à l'époque, peu de personnes ont cru. 네, 실제로 예루살렘은 멸망했습니다. Mais Jérusalem a véritablement été détruite. 지금 많은 사람들이 천국과 지옥이 있다는 것을 믿지 않습니다. Et beaucoup de personnes à l'heure actuelle ne croient pas en l'existence du royaume des cieux et de l'enfer. 우리 시대는 불신의 시대입니다. On est à une époque de l'incrédulité. 근데 우리는 천국과 지옥이 있다는 것을 분명하게 믿고 있습니다. Mais nous croyons avec certitude qu'il y a bel et bien un royaume des cieux et l'enfer. 만약에 천국과 지옥이 없다면 우리가 전도할 필요가 없습니다. Parce que s'il n'y a ni le royaume des cieux ni l'enfer, pourquoi évangéliser? 천국과 지옥이 있다면 세미나를 할 필요도 없습니다. S'il n'y a pas le royaume des cieux, s'il n'y a pas l'enfer, on ne tient pas de séminaire. 천국과 지옥이 없다면 컨벤션을 할 필요도 없습니다. Pas besoin des conventions s'il n'y a ni le royaume des cieux ni l'enfer. 천국과 지옥이 없다면 지금 여기 우리가 모일 필요가 없습니다. Et s'il n'y a ni le royaume des cieux ni l'enfer, on n'a pas besoin d'être réunis comme aujourd'hui. 근데 천국과 지옥이 있다면 이것보다 심각한 문제는 없을 겁니다. Mais il n'y a rien de plus grave que le fait que oui, le royaume des cieux et l'enfer existent bel et bien. 우리가 정말 천국과 지옥이 있다는 것을 믿는다면 사람이 해야 할 일이 무엇인지를 우리가 분명하게 알 수 있을 겁니다. Et nous, quand si on est vraiment assuré de l'existence du royaume des cieux et de l'enfer, alors on voit ce qu'on a à faire. 성경에는 천국과 지옥에 대해서 아주 자세하게 말씀하셨습니다. Et la Bible nous parle en détail justement du royaume des cieux et de l'enfer. 그래서 먼저 우리가 이걸 확실하게 알고 Et nous faut avoir une connaissance concrète de ça. 우리가 어떻게 살아야 할지를 분명히 마음을 정하고 Et qu'on soit résolu dans comment il nous convient de vivre. 또 사람들에게 분명하게 증거할 수 있어야 한다고 생각합니다. Et alors on va pouvoir avoir un témoignage clair pour les âmes. 먼저는 지옥에 대해서 좀 살펴보겠습니다. On va commencer par voir un peu ce qui concerne l'enfer. 성경은 분명히 지옥이 있다고 말씀하고 있습니다. La Bible dit clairement qu'il y a l'enfer. 시편에 다윗이 지옥이 있다고 말했습니다. Dans les psaumes, David dit qu'il y a l'enfer. 시편 9편 18절. Psaume 9 verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. 악인이 음부로 돌아간다고 분명히 말했습니다. Il est clairement dit les méchants se tournent vers le séjour des morts.
악인은 지옥에 들어갑니다. Les méchants entrent en enfer. 욥도 분명히 지옥이 있다고 믿었습니다. Et Job a clairement cru également qu'il y avait l'enfer. 욥기 26장 5절 6절. Job 26 verset 5 et 6. Devant Dieu, les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. 여기 5절의 음령들은 구원받지 못한 영혼들을 가리킵니다. Dans le verset 5, les ombres tremblent, ça parle des âmes qui ne sont pas sauvées. 6절에 하나님 앞에는 음부도 드러나며. Et dans le verset 6, on voit que devant lui, le séjour des morts est nu. 여기 멸망의 웅덩이도 가리움이 없음이니라 말씀하셨습니다. Et il est également dit, l'abîme n'a point de voile. 욥도 지옥이 있다는 것을 분명히 믿었습니다. Job a aussi cru avec certitude qu'il y avait un royaume des cieux et un enfer. 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하신 분이 우리 예수님인 겁니다. Et celui qui a le plus parlé dans la Bible de l'enfer, c'est Jésus. 예수님의 별명이 헬 프리처였습니다. Et le surnom qu'on a donné à Jésus, c'était le prédicateur de l'enfer. 예수님은 천국보다 지옥에 대해서 많이 말씀하셨습니다. Parce qu'il a bien plus parlé de l'enfer que du royaume des cieux. 왜 성경이 지옥에 대해서 이렇게 많이 강조하고 있을까요? Mais pourquoi est-ce que la Bible insiste tant sur l'enfer? 왜 예수님이 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하셨을까요? Jésus est bel et bien celui qui a le plus parlé de l'enfer. 그곳은 절대 들어가지 말아야 할 곳이기 때문입니다. C'est parce que c'est un lieu où il ne faut absolument pas rentrer. 성경은 지옥의 특징에 대해서 자세히 말씀하고 있습니다. La Bible nous décrit en détail quelles sont les caractéristiques de l'enfer. 누가복음 16장에 자세히 말씀하고 있죠. Luc chapitre 16 nous en parle en détail. 16장 19절부터 Chapitre 16 du verset 10 à partir du verset 19. 19절부터 22절까지 jusqu'au verset 22. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 누가복음 16장에는 두 사람이 나옵니다. Dans Luc chapitre 16, on nous parle de deux hommes. 먼저 19절에 한 부자가 나오죠. On nous parle déjà verset 19 d'un riche. 한 부자는 자색 옷을 입고 있었습니다. Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. 이 당시에 자색 옷은 귀한 귀족들, 왕족들만 입을 수 있는 옷이었습니다. Et à l'époque, les vêtements de pourpre étaient réservés aux riches, aux nobles. 아주 부자였다는 걸 알 수 있습니다. Et donc on peut savoir qu'il était extrêmement riche. 그리고 그는 날마다 호화로이 잔치를 했습니다. Et on voit que chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. 근데 그는 구원을 받지 못했습니다. Mais il n'a pas reçu le salut. 또 한 사람이 나옵니다. Et on nous parle d'une autre personne. 나사로라는 거지입니다. Lazare, donc un pauvre. 20절에 나사로라 이름한 한 거지가 헌대를 나르며 그 부자의 대문에 누워. Donc verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. 아마 움직이는 것도 불편했던 것 같습니다. Et donc s'il était couché à la porte, c'est que certainement se déplacer devait être difficile pour lui. 그런데 그는 구원을 받은 사람이었습니다. Mais lui était sauvé. 그리고 나사로가 먼저 죽었던 것 같습니다. Et il semble être mort en premier. 22절에 verset 22. 한번 다시 한번 읽어주세요. 22. On peut relire le verset 22. Verset 22. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. 나사로는 죽어서 아브라함의 품에 들어갔습니다. Et donc le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. 하나님의 약속이 있는 세계에 들어갔다는 뜻인 겁니다. On sous-entend ici qu'il est entré donc dans le royaume de Dieu. 근데 부자는 지옥에 갔는데요. Mais le riche mourut et finit en enfer. 여기 23절부터 지옥이 어떤 곳인지를 알 수 있는 겁니다. Et ici à partir du verset 23, on nous parle de quel genre de lieu est l'enfer. 첫 번째 지옥은 고통의 장소입니다. La première des choses est que l'enfer est un lieu de douleur. 23절부터 24절까지 우리 같이 읽겠습니다. On lit ensemble du verset 23 au verset 24. 1 2, 3. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. 23절에
고통 중이라는 말이 나옵니다. Et dans le verset 24, il dit bien je souffre cruellement. 24절 끝에도 내가 이 불꽃 가운데서 고민하나이다. Et dans le verset 23, on voit qu'aussi 28절에 부자가 이렇게 이야기합니다. Il est en proie au tourment et verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. 부자가 말하기를 고통받는 곳이라고 말했잖아요. Et le riche a bien dit que c'est un lieu de souffrance. 누가복음 16장이 강조하고 있는 것은 지옥이 고통의 장소라는 겁니다. Et donc Luc chapitre 16 nous accentue sur le fait que on souffre, c'est un lieu de tourment. 고통이라는 것도 하나님이 직접 만드신 겁니다. Mais la souffrance aussi, c'est Dieu qui l'a faite. 그러니 만약에 지옥이 있다면 이것보다 심각한 문제가 어디 있겠어요? Et si véritablement l'enfer existe, alors il n'y a pas de sujet plus grave. 지옥은 고통의 장소입니다. L'enfer est un lieu de souffrance. 예수님께서 마가복음 9장에서 Et Jésus dans Matthieu dans Marc chapitre 9 죄를 범케 하거든 손을 잘라버리고 발을 잘라버리고 눈을 뽑으라고 말씀하셨습니다. Et il dit bien qu'il vaut mieux ôter ses yeux, se couper les bras et les jambes que de pécher et d'entrer en enfer. 그렇게 해서 불구자가 되서라도 지옥 가지 말라고 말씀하신 겁니다. Il dit même si c'est autant souffrir ainsi que d'entrer en enfer. 그것은 발을 자르고 손을 자르면 천국 갈 수 있다는 뜻이 아니잖아요. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se couper la main et les jambes pour entrer au ciel. 지옥의 고통을 설명하시는 겁니다. Mais ça explique la souffrance qu'on connaît en enfer. 인간이 느끼는 최고의 고통은 손을 잘라버리는 고통이 아닙니다. Parce que la pire des souffrances pour l'homme, ce n'est pas de se couper une main. 몸이 불에 타는 고통입니다. La plus grande des souffrances, c'est la souffrance de la brûlure. 인간이 느끼는 최고의 고통이 불에 타는 고통입니다. Et la plus grande douleur reconnue que l'homme dont l'homme souffre, c'est les brûlures. 누가복음 16장은 이걸 말씀하고 있습니다. Et c'est de cela dont nous parle Luc chapitre 16. 첫 번째 지옥은 고통의 장소라는 겁니다. Et donc la première des choses concernant l'enfer, c'est un lieu de souffrance. 그래서 인생에 있어서 가장 중요한 문제는 지옥에 들어가지 않는 겁니다. Et donc la chose la plus importante pour laquelle on parle de l'enfer, c'est afin de ne pas y entrer. 그리고 두 번째. Deuxième chose. 누가복음 16장 이렇게 말씀하고 있습니다. Luc 16 toujours nous dit. 24절 다시 보세요. Verset 24. 부자가 이렇게 얘기했습니다. Voici ce que dit le riche. 라사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서. Il dit envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. 지옥은 욕구를 가지고 들어가는 장소라는 겁니다. Et donc on se rend compte que quand on entre en enfer, on y rentre avec tous les désirs. 지금 부자가 갈증을 느끼고 있잖아요. Voyez bien ici, le riche souffre de la soif. 지금 지옥에서 갈증을 느끼고 있습니다. Il ressent la soif en enfer. 근데 물 한 방울도 얻지를 못했습니다. Mais il n'a pas reçu une goutte d'eau. 그러니까 욕구를 가지고 들어가지만 욕구를 해결할 수 있는 것이 아무것도 없는 세계가 지옥이라는 겁니다. Et donc l'enfer c'est un lieu où on va rentrer avec tous les besoins, tous les désirs mais qui ne pourront jamais être comblés. 그러니까 지옥이 끔찍한 곳입니다. Et c'est en cela que l'enfer est terrifiant. 여기서 우리가 생각해 볼 수 있는 게 있습니다. Il y a une chose à laquelle on peut réfléchir ici. 술에 중독된 알코올 중독자는 그 욕구를 가지고 아마 지옥에 들어갈 겁니다. Imaginez que un alcoolique meurt et qu'il tombe en enfer, il va y aller avec son alcoolisme. 술을 사모하는 마음이 있는데 술 한 방울도 얻지를 못하는 겁니다. Il aura cette envie de boire mais il ne pourra pas boire une seule goutte d'alcool. 마약에 중독된 사람들은 마약에 대한 욕구를 가지고 들어갑니다. Et c'est pareil pour les drogués. Ils vont entrer en enfer avec cette envie. 근데 그 욕구를 충족시킬 수 없잖아요. Mais jamais ils ne pourront être satisfaits. Amen. 부자가 지금 갈증을 느끼고 있습니다. Voyez ici le riche souffre de la soif. 근데 물을 얻지 못하고 있습니다. Mais on ne lui donne pas d'eau. 자기 욕망을 채울 만한 어떠한 것도 없는 세계라는 겁니다. Il n'y aura aucun des désirs qui pourra être satisfait d'aucune manière. 그리고 세 번째로 Troisième chose. 그다음 구절이 더 무섭습니다. Le verset suivant est encore pire. 25절에 Verset 25. 부자가 자기 기억을 가지고 들어갑니다. On voit que le riche entre en enfer avec tous ses souvenirs. 25절 한번 읽어 주세요. Si on peut lire le verset 25. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. 부자가 지금 지옥에 들어가서 자기 존재에 대한 의식을 갖고 있다는 겁니다. On voit que le riche est entré en enfer et il a tout à fait conscience de lui-même. 자기 인격 자체가 없어지는 게 아닙니다. Et donc, il n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Il n'a pas perdu sa personnalité. 자의식을 가지고 있잖아요. Il est entré en conscient de lui-même. 그리고 그 부자가 나사로를 알아보고 있습니다.
Et voyez aussi un peu même ce qu'il demande. 나사로를 기억하고 있었다는 겁니다. Il se souvient de Lazare. 그리고 죽기 전에 나사로는 고난을 받았고 자기는 좋은 것을 받았다는 것도 기억하고 있잖아요. Et il se souvient aussi que pendant sa vie, lui, il a reçu des biens et que Lazare a eu les maux. 기억을 다 가지고 있었다는 겁니다. Et donc il rentre en enfer avec tous ses souvenirs. 하나님은 기억을 완전히 복원시켜서 사람을 지옥에 멸하시는 겁니다. Dieu justement envoie les hommes en enfer avec tous leurs souvenirs. 28절 같이 읽겠습니다. On lit ensemble le verset 28. 1, 2, 3. C'est pour qu'ils attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. 부자는 자기 형제 다섯 명이 있다는 것도 기억하고 있었습니다. Parce qu'on voit que le riche se souvient aussi qu'il a cinq frères. 기억을 가지고 들어가는 장소라는 겁니다. L'enfer est un lieu dans lequel on rentre avec tous nos souvenirs. 자기가 경험했던 모든 것이 하나도 잊혀지지 않은 세계가 바로 지옥입니다. L'enfer est un lieu où on ne perd pas la mémoire. 죄책감을 그대로 가지고 들어갑니다. Et on y rentre avec toute la culpabilité qu'on a aussi. 자기가 죄를 지었던 모든 기억을 다 가지고 들어갑니다. Parce qu'on y entre avec tout le souvenir des péchés qu'on a commis. 자기가 구원받을 수 있는 기회가 주어졌다는 것도 다 기억하고 들어가는 겁니다. On y entre en se souvenant de toutes les occasions qu'on a eu d'écouter. 모든 기억이 복원되고 Les souvenirs sont tels quels en enfer. 양심이 완전히 복원돼서 La conscience est toujours là. 죄책감을 그대로 가지고 들어가는 곳이 지옥이라는 겁니다. Et on entre en enfer avec toute la culpabilité. 그러니까 지옥이 얼마나 고통스럽겠어요. Et on voit donc combien grande sera la souffrance en enfer. 그래서 지옥은 후회하는 곳입니다. Et c'est un lieu où donc on regrette. 사람들이 지옥에 들어가면 정말 많이 후회할 겁니다. Et les gens qui vont entrer en enfer vont vraiment beaucoup regretter. 아마도 이번에 컨벤션에 참여해서 구원받지 못한 분도 계실 거라고 생각합니다. Et il y en a qui ont peut-être participé à la convention et qui n'ont pas reçu le salut. 그런 분들이 얼마나 지옥 가게 된다면 후회하겠어요. Et imaginez combien ils vont regretter si jamais ils vont en enfer là. 마태복음 25장 30절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25 verset 30. 이 말씀도 같이 읽겠습니다. On lit ce verset ensemble. 1 2 3. Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 예수님께서 지옥에 대해서 말씀하시면서 슬피 울며 이를 가는 곳이라고 말씀하신 겁니다. Jésus parle ici de l'enfer en disant qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. 언제 사람이 슬피 울까요? À quel moment est-ce que l'homme pleure? 언제 사람이 슬프게 웁니까? À quel moment est-ce que l'homme pleure de douleur? De tristesse? 후회할 때입니다. Lorsqu'il regrette, 자기에게 구원받을 기회가 주어졌었는데 그것을 자기가 배척했다는 것을 알고 얼마나 후회하겠습니까? Il va forcément grandement regretter lorsqu'il va se souvenir de l'occasion d'écouter qu'il a eu et que pourtant il a rejeté. 기억을 가지고 들어가는 겁니다. Parce qu'on y entre, on entre en enfer avec les souvenirs. 그리고 이를 간다고 말씀하셨잖아요. Et il est dit qu'on grince des dents. 사람이 언제 이를 갈죠? Quand est-ce que l'homme grince des dents? 고통이 극심할 때입니다. Lorsque la douleur est extrême. 고통이 극에 달할 때 사람은 이를 갈게 돼 있습니다. Et l'homme en vient à grincer des dents quand il atteint la limite de ce qu'il peut supporter en souffrance. 지옥은 후회하는 곳입니다. 기억을 그대로 가지고 있습니다. Et l'enfer est un lieu de regret parce qu'on y entre avec nos souvenirs. 그리고 26절에 verset 26 26절 한번 읽어주세요. On peut lire le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. 네 번째로 지옥은 구조될 수 없는 장소라는 겁니다. Et la quatrième chose est que l'enfer est un lieu dont on ne peut être secouru. 지옥은 영원한 장소입니다. C'est un lieu éternel. 너희에게 여기서 너희에게 건너가고자 할 수 없고 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 아브라함이 그렇게 말했습니다. Il est bien dit que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne peuvent le faire. 지옥은 입구는 있지만 출구는 없는 곳입니다. L'enfer est un lieu où il y a une entrée mais pas de sortie. 지옥에 한번 들어가면 나올 수 있는 방법이 전혀 없습니다. Et une fois qu'on y est entré, il n'y a aucun moyen d'en sortir. 지옥은 영원한 곳입니다. C'est un lieu éternel. 마가복음 9장 48절 49절 Dans Marc chapitre 9 verset 48 et 49 같이 읽겠습니다. On lit ensemble. 1 2 3 Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point
car tout homme sera salé de feu. 여기 성경에 지옥에 대해서 불도 꺼지지 아니하느니라 이렇게 말씀하셨습니다. Ici la Bible dit qu'il y a un feu qui ne s'éteint point. 지옥은 절대 꺼지지 않는 영원한 불입니다. L'enfer est un lieu où le feu brûle et ne s'éteint point. 한번 들어가면 구조될 수 없는 곳입니다. C'est un lieu où on entre et jamais on ne pourra être secouru. 19절에 사람마다 불로서 소금 치듬을 받는다고 말씀하셨잖아요. Et le verset 49 nous dit que tout homme sera salé de feu. 소금 치듬을 받는다는 말은 이런 뜻입니다. Qu'est-ce que signifie d'être salé de feu? 우리가 음식을 먹다가 싱거운 음식은 소금을 많이 넣잖아요. Nous c'est comme quand on goûte un plat et si on le trouve fade, on va rajouter du sel. 덜 싱거운 음식에는 소금을 덜 넣습니다. Mais quand c'est pas très fade, on ne va pas mettre beaucoup de sel. 하나님께서 사람이 행한 대로 정확하게 갚아서 지옥에 보내신다는 뜻인 겁니다. Mais ici Dieu dit bien que la personne va souffrir d'autant qu'elle aura péché sur terre. 하나님은 정확하신 분인 겁니다. Dieu est quelqu'un de précis. 하나님은 행한 대로 정확하게 갚으실 수 있는 분이고 Dieu est celui qui peut tout à fait rendre à chacun selon ses œuvres. 각 사람이 행한 대로 정확하게 심판해서 지옥으로 보내시는 겁니다. Et donc il va juger chacun selon ses œuvres et l'envoyer en enfer. 지옥은 꺼지지 않는 곳입니다. Le feu ne s'éteint point en enfer. 마태복음 18장 8절에도 On est dans Matthieu chapitre 18 verset 8. 이거 주세요. Si on peut lire. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. 여기 지옥을 가리켜서 영원한 불에 영원한 불이라고 말씀하셨습니다. Et ici on nous parle de l'enfer et on nous dit que c'est un feu éternel. 지옥은 영원하고 지옥불도 영원합니다. L'enfer est éternel et le feu qui y brûle aussi. 그래서 지옥불에 들어가서 영원히 살 바에야 차라리 불구자가 되라고 말씀하신 겁니다. Et c'est pour ça que plutôt que de finir en enfer et d'y brûler pour l'éternité, autant te couper la main ou le pied. 그래서 우리 주변에 있는 사람들이 구원받지 못한 사람들은 머지않아 이 지옥불에 들어가게 됩니다. Et ceux qui nous entourent qui ne sont pas sauvés vont finir en enfer. 우리가 전도하지 않으면 그 사람들은 그 지옥불을 맛보게 됩니다. Et si on ne leur prêche pas, ils vont entrer en enfer. 만약에 지옥이 영원하지 않고 Si l'enfer n'était pas éternel, 100년 정도 지속이 된다면, si l'enfer était pour 100 ans, 우리가 전도를 강조하지 않아도 됩니다. On n'a pas besoin d'insister pour que les gens viennent écouter. 만약에 지옥이 영원하지 않고 1000년 동안만 지속된다면, imaginons que l'enfer ne soit pas éternel mais ne soit que pour 1000 ans. 우리가 그렇게 열심히 전도 안 해도 됩니다. Alors on n'a pas besoin d'être aussi zélé dans la prédication. 만약에 지옥이 1억 년 동안 지속이 된다면, mais imaginons que ce soit pour 100,000 ans. 우리 전도를 강조하지 않아도 됩니다. Alors on ne va pas forcer quelqu'un à écouter. 근데 우리가 전도를 강조하는 이유가 무엇입니까? Mais pourquoi est-ce que nous forçons à écouter? 지옥이 있고. C'est parce qu'il y a l'enfer. 그 지옥이 영원하기 때문입니다. Et que le feu est éternel. 아멘. 지옥이 있습니다. Il y a l'enfer. 시편 90편 11절 같이 읽겠습니다. On lit ensemble Psaume 90 verset 11. 1 2 3. Qui prend garde à la force de ta colère. 다시 한번 읽습니다. 예? On reprend. 90편, 10편 다시 한번 읽을게요. On relit Psaume 90 verset 11. 1 2 3. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. 지금 사람들은 죄가 얼마나 무서운 것인지 하나님이 얼마나 무서우신 분인지를 잘 모르고 있습니다. Et les gens de ce monde ne réalisent pas à quel point grave est le péché et combien Dieu est terrifiant. 누가 주를 두려워할 때로 할 때로 주의 진노를 날리니까. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux? 주님의 진노가 얼마나 큰 것인지 누가 지금 알고 있습니까? Qui sait combien grand est le courroux de Dieu? 지금 사람들은 주님이 얼마나 무서우신 분인지를 잘 모르고 있는 겁니다. Les gens de notre époque n'ont pas l'air de savoir combien Jésus est terrifiant. 하나님은 사랑이 무한하신 하나님의 공의도 무한하신 분인 겁니다. Parce que si Dieu est abondant en amour, s'il est l'amour, il est aussi justice. 어떤 사람들은 하나님은 사랑의 하나님이시기 때문에 지옥이 없다고 주장합니다. Et certains disent que parce que Dieu est amour, il n'y a pas d'enfer. 여호와의 증인들은 지옥이 없다고 주장합니다. Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y a pas d'enfer. 안식교도 지옥이 없다고 주장합니다. Et ceux qui sont aussi les adventistes aussi ne disent ça. 하나님의 사랑이 무한하신 만큼 하나님의 공의는 무한하고 Mais comme Dieu est illimité en amour, sa justice aussi l'est. 하나님은 지옥도 만들어 놓으셨습니다. Et Dieu a fait l'enfer. 악에 대해서는 무한히 진노하시기 때문에 Et il a un courroux illimité vis-à-vis de ceux qui ont péché. 죄를 갖고 죽음을 건너가면 그 사람은 하나님의 무한한 진노의 대상이 되는 겁니다. Et une personne qui va entrer en enfer avec son péché connaîtra le courroux de Dieu.
사람 하나님은 죄에 대해서는 항상 진노하십니다. Et Dieu a toujours été furieux vis-à-vis du péché. 사람이 살아 있을 때 이 죄 문제를 해결해야 되는 겁니다. Et c'est pour ça qu'il faut que l'homme de son vivant soit séparé de son péché. 살아 있을 때 죄 문제를 해결하지 않으면 Parce que si ce n'est pas de son vivant qu'il se sépare de son péché. 죽음을 건너갈 때 그 사람은 죄와 완전히 달라붙어 버리고 Une fois qu'il sera mort, alors il sera complètement lié à son péché. 죄와 달라붙어 버리되 영혼이 달라붙어 버리고 Et donc il sera attaché à son péché. 그 사람은 이제 영혼이 죄에서 분리될 수 있는 길이 없어지는 겁니다. Et il n'aura plus moyen d'en être séparé. sera donc pour lui pour l'éternité. 하나님은 그 사람을 영원한 진노의 대상으로 보게 되시고 Et donc il sera pour lui sera un sujet de courroux. 하나님과 영원히 분리되는 세계로 들어가게 되는 겁니다. Et il entre dans ce monde qui est éternellement séparé de Dieu. 그곳이 바로 지옥인 겁니다. Et ce lieu c'est l'enfer. 성경은 분명히 지옥에 대해서 말씀하고 있습니다. La Bible dit clairement qu'il y a un enfer. 근데 이 죄를 해결할 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도의 피인 겁니다. Mais il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui puisse nous sauver de nos péchés. 예수 그리스도의 피밖에 없는 겁니다. Il n'y a que le sang de Jésus. 이 말이 어떤 뜻일까요? Et qu'est-ce que ça signifie? 하나님은 예수님의 보혈 외에 다른 방법으로는 죄를 용서 안 하시겠다는 뜻인 겁니다. C'est que Dieu n'a pas prévu d'autres moyens de pardonner les hommes de leurs péchés que le sang de Jésus. 아멘. 만약에 지옥이 없다면 성경에서 전도를 그렇게 강조했을 리가 없는 겁니다. Et s'il n'y avait pas d'enfer, il n'y aurait pas de raison que la Bible insiste tant sur le fait de prêcher aux autres. 그래서 하나님 보시기에 사람이 할 수 있는 최고의 일은 Et donc aux yeux de Dieu, ce que l'homme peut faire de mieux 먼저 죄 문제를 해결하고 구원을 받고 C'est déjà régler le problème du péché que la personne soit sauvée. 구원받은 이후에 복음을 전해서 사람들을 지옥에서 건져내는 겁니다. Et que une fois sauvée, cette personne prêche aux autres pour que ses âmes soient sauvées. 지옥 갈 영혼들을 건져내서 de pouvoir délivrer de l'enfer ces âmes qui courent. 하나님의 영원한 천국으로 이끌어드리는 것이 하나님 보시기에 최고의 일이 되는 겁니다. Et ce qu'il y a de plus grand à faire pour l'homme aux yeux de Dieu, c'est justement de guider ses âmes au salut. 아멘. 왜 우리가 전도해야 합니까? Pourquoi est-ce que nous évangélisons? 먼저는 지옥이 있기 때문입니다. C'est parce qu'il y a déjà l'enfer. 그리고 지금도 너무나 많은 사람들이 지옥을 향해 가고 있습니다. Et un grand nombre de personnes courent jusqu'en enfer. 지옥이 있기 때문에 우리가 열심히 전도해야 합니다. Et il nous faut évangéliser avec zèle parce qu'il y a l'enfer. 자, 성경에 지옥도 있고 Dans la Bible, on nous parle de l'enfer. 천국도 있습니다. Et du royaume des cieux. 남은 시간은 천국에 대해서 좀 말씀을 드려 보겠습니다. Et dans le reste du temps qui m'est imparti, je vais vous parler du royaume des cieux. 계시록 21장 1절 우리 같이 한번 읽겠습니다. On lit ensemble Apocalypse chapitre 21 verset 1. 1 2 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. 이곳이 우리가 머지않아 가게 될 장소입니다. Et ici c'est le lieu où nous allons aller bientôt. 사도 요한이 천국을 먼저 보고 미리 보고 이렇게 기록하고 있습니다. Et on a l'apôtre Jean qui voit avant nous donc ce lieu et qui écrit dessus. 첫 번째 천국의 특징입니다. La première caractéristique du royaume des cieux. 천국은 새 하늘과 새 땅입니다. C'est que c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre. 새롭다라는 것을 의미하는 헬라어 단어가 크게 두 가지입니다. Et dans pour le mot grec pour nouveau a deux significations. 하나는 네오스이고 L'un c'est néos. 하나는 카이노스입니다. Et l'autre c'est kainos. 첫 번째 네오스는 물리적으로 시간적으로 새롭다라는 의미입니다. Néos est plutôt un concept justement physique au sens de vraiment quelque chose de nouveau. 할머니가 다시 젊은 여자로 바뀌는 것은 네오스입니다. Par exemple une grand-mère qui redevient une jeune fille, ça c'est néos. 이 낡은 지구가 다시 새롭게 바뀌는 것을 네오스입니다. Et quand par exemple la terre qui est comme un vieux vêtement souillé si elle revient comme au premier temps ça c'est néos. 시간적으로 물리적으로 새롭다 의미하는 것이 네오스입니다. Donc néos c'est le renouveau physique et dans le temps. 근데 여기에서는 카이노스가 쓰이고 있습니다. Mais ici c'est kainos qui est utilisé pour nouveau. 카이노스는 질적으로 차원이 다르게 새롭게 될 때 쓰이는 단어입니다. Et kainos c'est un terme qu'on utilise lorsque on change de dimension complètement. 씨앗이 꽃이 되는 것은 카이노스입니다. Par exemple, kainos c'est quand une graine devient une fleur. 애벌레가 나비가 되는 것이 카이노스입니다. Kainos c'est quoi? C'est lorsque la chenille devient un papillon. 천국은 질적으로 새로운 세계라는 겁니다. Et donc le royaume des cieux c'est complètement un autre monde. 지금 우리가 살고 있는 이 하늘 같던가 비교될 수 없는 상상할 수 없는 세계가 있는 겁니다. Et donc le royaume dans lequel on va entrer n'a rien de comparable au ciel qu'on connaît maintenant et à la terre sur laquelle on est. 그러니까 첫 번째로 Première chose, 천국은 상상할 수 없는 엄청난 세계라는 겁니다. C'est que le royaume des cieux est un monde pour nous qui demeure de l'inimaginable. 씨앗이 꽃이 되는 것처럼
하나님은 우리가 상상할 수 없는 엄청난 세계를 만들어 놓으셨습니다. Parce que comme une graine devient une fleur, de même Dieu a préparé pour nous un royaume qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. 그러니까 우리가 천국에 들어가기 전에 부활이 필요한 이유가 바로 여기에 있는 겁니다. Et c'est la raison pour laquelle nous il faut absolument qu'on ressuscite aussi avant d'entrer dans ce royaume. 이런 몸으로는 우리 천국에 못 들어갑니다. Parce que avec le corps qu'on a là, on ne va pas entrer au ciel. 하나님이 우리 몸도 차원이 다른 몸으로 바꿔서 천국으로 이끌어 드리시는 겁니다. Et ce que Dieu va faire justement c'est transformer notre corps pour lui donner une nouvelle dimension afin qu'on rentre dans son royaume. 주님은 우리 눈 자체를 바꾸실 겁니다. Et il va changer nos yeux. 엄청난 차원이 다른 완벽한 눈을 갖게 될 때 et on aura des yeux parfaits d'une autre dimension qui vont permettre de tout voir. 우리가 엄청난 것을 보게 될 겁니다. Et on va voir des choses inimaginables. 여기 지금 안경 쓰신 분들 있잖아요. Je vois beaucoup de gens avec des lunettes. 안경 다 벗고 가실 거예요. Mais vous n'en aurez plus une fois là-haut. 하나님께서 우리 귀 자체를 바꾸실 겁니다. Et nos oreilles seront complètement transformées. 완벽한 귀를 갖게 될 겁니다. On aura des oreilles parfaites. 그 귀를 가지고 우리가 황홀한 소리를 듣고 엄청나게 상상할 수 없는 기쁨을 느끼게 되는 겁니다. Et justement nous entendrons des sons que nous n'aurons jamais entendus et on sera rempli d'une joie parfaite. 하나님이 우리 입 구조 자체를 바꾸실 거예요. Et il va aussi changer la bouche. 완벽한 입을 갖게 될 것이고 nous aurons une bouche parfaite. 그 입으로 하나님을 찬양하고 et nous louerons Dieu avec cette bouche. 생명과 나무와 생명수를 마시고 황홀히 할 겁니다. Et nous nous réjouirons parce que nous boirons justement dans le fleuve de vie et nous mangerons les fruits qui y sont. 생명과를 먹을 때 느낌 자체가 완전히 다를 겁니다. Et donc ce sera une sensation complètement nouvelle et différente. 그러니까 상상할 수 없는 세계를 하나님 만들어 놓으셨고 Et donc Dieu a fait un monde qui est au-delà de notre imagination. 구원받은 하나님의 백성을 그곳에 들이시는 겁니다. Et son peuple entrera dans ce royaume. 아멘. 엄청난 세계 속에 천성이 하나 있습니다. 천성. Et dans ce monde justement gigantesque, il y aura la cité céleste. 새 하늘과 새 땅은 천국입니다. 천국. Donc quand on parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre, on parle du royaume des cieux. 천국 안에 천성이 있는 겁니다. Et dans le royaume des cieux, il y a la cité céleste. 천국은 나라이고 천성은 도시잖아요. Le royaume des cieux est donc comme le nom est un royaume mais la cité céleste est donc une ville. 성경에는 천성의 크기까지 기록돼 있습니다. Mais dans la Bible, on nous décrit même la taille de la cité céleste. 16절에 verset 16. La villa avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 천성의 크기가 기록돼 있는 겁니다. Et donc les plans sont précisément décrits ici. 이게 1 스타디온이 약 186m 정도 됩니다. Et on parle donc de stade ici, et c'est à peu près 180 mètres carrés. 여기 가로, 세로 높이 길이가 12,000 스타디온이라고 되어 있죠. Et ici, on nous dit que donc sa largeur, sa longueur, tout ça fait que ce sera 12,000 stades. 이걸 킬로미터로 환산해 보면 2,220km가 되는 겁니다. Et en kilomètres, c'est plus de 2,200 km. 그러니까 베냉 남단에서 북쪽까지 이 길이의 세 배 가까이가 되는 겁니다. Et donc pour réaliser un peu, c'est un peu comme donc du sud du Bénin jusqu'au nord du Bénin, cette taille-là mais fois 3. 가로, 세로, 높이의 길이가 동일합니다. Et ce sera donc la même longueur, la même largeur et la même hauteur. 다시 한번 말하지만 이건 천국의 크기가 아니라 천성의 크기입니다. Mais ça c'est pas la taille du royaume des cieux, c'est la taille de la cité céleste. 아멘. 그리고 이 천성은 온갖 보석으로 꾸며져 있잖아요. Et la cité céleste est ornée de plein de pierres précieuses. 18절, 21절 그 말씀이 있는 겁니다. Et c'est décrit du verset 18 au verset 21. 집에 가서 한번 읽어 보세요. Lisez à la maison ce passage. 천성은 12 보석으로 꾸며져 있습니다. Mais la cité céleste est ornée de 12 pierres. 왜 하나님께서 우리에게 보석을 주셨겠어요? Et pourquoi est-ce que Dieu même sur cette terre nous a donné des pierres? 천국을 상상하라고 주신 겁니다. C'est afin qu'on imagine son royaume. 온갖 보석으로 꾸며져 있는 곳이 바로 이 천성인 겁니다. Et donc la cité céleste sera ornée de toutes sortes de pierres. 우리가 상상할 수 없는 완벽한 세계가 준비되어 있습니다. Et donc il a préparé pour nous une cité parfaite au-delà de notre imagination. 우리가 이 세상에서 아무리 좋게, 아무리 부유하게 오래 산다 할지라도
천상에 사는 것과는 비교가 안 될 겁니다. Et on aura beau, on peut être riche dans ce monde, on peut être complètement à l'aise, cela n'est absolument pas comparable à ce qu'on connaîtra dans le royaume des cieux. 상상하지 못하는 세계가 준비되어 있습니다. Parce que ce qu'il a préparé est au-delà de ce qu'on peut imaginer. 고린도전서 2장 9절에 Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 같이 읽겠습니다. On lit ensemble. 1 2 3. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위해서 준비해 놓으신 것이 있습니다. Et il y a quelque chose que donc Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 근데 지금 우리가 가진 눈으로는 보질 못하고 Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir de nos yeux maintenant. 우리가 지금 가진 귀로는 듣질 못하고 On ne peut pas entendre des oreilles qu'on a. 우리가 지금 가진 마음으로는 헤아릴 수 없는 엄청난 세계가 있습니다. Et c'est un monde si grand que notre cœur ne peut le comprendre. 하나님은 하나님이 사랑하시는 자들을 위해서 엄청난 세계를 준비해 놓으셨고 Et donc Dieu a préparé un monde génial pour ceux qui l'aiment. 우리를 가장 아름다운 모습으로 변화시켜서 그곳에 집어넣으실 겁니다. Et il va nous transformer pour la meilleure version de nous afin qu'on entre dans son royaume. 아멘. 천국은 상상할 수 없는 세계입니다. La cité céleste est un lieu qu'on ne peut pas imaginer. 자, 그리고 두 번째로 Deuxième caractéristique 요한계시록 21장 3절에 Dans Apocalypse chapitre 21 verset 3. On relit 1 2 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. 천국은 하나님과 함께 영원히 사는 세계입니다. Et le royaume des cieux est un lieu où on va vivre éternellement avec Dieu. 하나님과 함께 산다는 것이 여기 세 번이나 강조돼 있잖아요. Et ici, il insiste même à trois reprises sur ça. 하나님의 장막에 사람들과 함께 있음에 Parce que c'est là où Dieu est avec les hommes. 하나님이 저희와 함께 거하시리니 Il habitera avec eux. 마지막에 하나님은 친히 저희와 함께 Et il finit par dire Dieu lui-même sera avec eux. 천국에 들어가면 하나님과 함께 살게 되는데 Et quand on entre dans le royaume des cieux, on va vivre avec Dieu. 하나님과 영원히 함께 사는 장소인 겁니다. C'est un lieu où on vivra éternellement avec lui. 그래서 천국인 겁니다. Et c'est pour ça qu'il insiste ici. 예수님께서 천국을 가리켜서 내 아버지의 집이라고 말씀하셨습니다. Et Jésus lorsqu'il parle du royaume des cieux, il dit que c'est la maison de son père. 요한복음 14장 2절에 Dans Jean chapitre 14 verset 2, 예수님께서 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇게 말씀하셨습니다. Jésus dit bien qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. 천국은 하나님이 계시는 하나님의 집인 겁니다. Et donc le royaume des cieux est la maison de Dieu. 사랑 자체가 되신 하나님이 천국에 계십니다. Et c'est là où Dieu lui-même aime. 우리가 그곳에 들어가서 하나님과 함께 영원히 살게 되고 Et nous aussi nous y entrerons et nous serons éternellement avec lui. 하나님을 영원히 섬기게 됩니다. Et c'est là où nous le servirons éternellement. 우리가 그때 비로소 만족하게 될 겁니다. Et alors enfin nous connaîtrons la satisfaction, le contentement. 아멘. 세 번째로 Troisième point. 천국은 자기 가지고 자기 기억을 가지고 들어가는 세계입니다. Le royaume des cieux est un royaume où on entre avec toute notre conscience et tous nos souvenirs. 아까 지옥도 자기 기억을 가지고 들어가는 장소라고 돼 있잖아요. Et je vous disais tout à l'heure que l'enfer est également un lieu où on entre avec tous nos souvenirs, avec tous ces souvenirs. 천국도 자의식과 자기 기억을 그대로 가지고 들어갑니다. Et dans le royaume des cieux aussi on y entre avec toute notre conscience et les souvenirs. 누가복음 16장 9절. Dans Luc chapitre 16 verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. 여기 예수님께서 불의의 재물로 친구를 사귀라고 말씀하셨습니다. Et ici, on a le Seigneur qui dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. 그러면 없어질 때. Alors, quand elles viendront à vous manquer, 없어질 때가 옵니다. Donc arrive un moment où on n'a plus ces richesses injustes. 지금 눈에 보이는 모든 것이 사라질 때가 옵니다. Et donc il y a ce moment où viendra où tout va disparaître de ce qu'on connaît. 그때 구원을 받은 사람은 천국에 들어가게 되는데. Alors à ce moment-là, il va venir chercher ce qu'il a sauvé. 여기 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. Et c'est pour qu'il vous reçoive dans les tabernacles éternels. 이 구절에서 저희가 누구일까요? Qui est le vous ici? 이 구절에서 저희가 누구입니까? Qui est le vous? 이 구절 문맥을 보면 내가 불의한 재물로 친구를 사귀었던 사람들 Et le vous désigne ces amis qu'on s'est fait avec les richesses injustes
내가 전도해서 구원을 받은 사람들. Ceux à qui j'ai prêché et qui ont reçu le salut. 그 사람들을 가리킵니다. C'est eux qui sont désignés ici. 불성한 불의한 재물은 더러운 돈을 얘기하는 것이 아닙니다. Et donc quand on dit faites-vous des amis avec les richesses injustes, on ne parle pas de d'argent sale. 하나님 보시기에 영원할 수 없는 것을 불의한 재물이라고 말씀하신 겁니다. Mais c'est parce que Dieu considère que ce qui n'est pas éternel est injuste, d'où les richesses injustes. 머지않아 사라져 버릴 불의한 재물을 투자해서 천국에 들어갈 영원한 친구를 사귀라고 말씀하시는 겁니다. Et ici il parle justement d'investir les choses qui vont disparaître de ce monde pour se faire pour le salut des âmes. 우리가 가지고 있는 시간과 재물을 투자해서 영혼을 건지라는 뜻인 겁니다. Et il nous dit justement d'investir notre temps, nos biens pour le salut des âmes. 그러면 모든 것이 없어질 때가 오는데 Et viendra un jour où tout va manquer. 그 사람들이 우리를 영접해 준다는 뜻입니다. Mais alors ceux à qui on aura prêché qui sont sauvés nous recevront. 나의 전도로 구원을 받은 사람들이 내가 천국 들어갈 때 나를 가장 영접해 준다는 뜻입니다. Et ça signifie que lorsque je vais entrer au ciel, ceux qui à qui j'ai prêché et qui ont reçu le salut seront les premiers à m'accueillir. 아멘. 그러니까 기억을 가지고 있잖아요. Et on entre bien donc avec nos souvenirs. 천국에 들어가면 누가 나를 위해 기도해 주었는지를 알게 될 겁니다. Et une fois au ciel, on saura qui a prié pour nous. 기억을 다 가지고 있는 세계입니다. Et c'est un monde dans lequel on entre avec tous nos souvenirs. 의식이 분명히 있는 상태인 겁니다. On sera tout à fait conscient une fois au ciel. 마태복음 17장에서 예수님께서 변화산에서 변화하셨습니다. Et dans Matthieu chapitre 17, on voit la transfiguration de Jésus. 그때 모세와 엘리야가 나타났잖아요. Et alors surviennent Moïse et Élie. 그때 베드로가 대번에 엘리야와 모세를 알아봤습니다. Et Pierre a reconnu Moïse et Élie. 자기 의식을 가지고 있는 겁니다. Et donc on y va avec nos souvenirs et notre conscience. 그래서 천국에 들어가면 우리 각자 서로 이름을 물어볼 필요 없습니다. Et donc une fois au ciel, on n'aura pas besoin de se demander comment l'un ou l'autre s'appelle. 이름 모른다고 서운할 필요도 없고요. Et on ne sera pas vexé parce que l'autre me demande mon prénom comme si on ne s'était jamais vu. 우리는 다 기억을 가지고 있고. Parce qu'on saura avec tous nos souvenirs. 하나님이 우리를 아신 것처럼 우리도 온전히 알게 되어서 들어가는 세계인 겁니다. Et nous, c'est un monde où nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous connaîtrons comme le Père. 기억을 가지고 들어갑니다. On y entre avec nos souvenirs. 그런데 어떤 분이 이렇게 질문합니다. Mais certains posent la question suivante. 만약에 내 가족 중에 구원을 받지 않아서 그 사람이 지옥 갔다고 가정해 보겠습니다. Imaginons que la personne elle va au ciel mais que sa famille qui n'est pas sauvée va en enfer. 내가 구원받아 천국 갔다 하더라도 그 가족이 지옥 간다는 걸 알게 되면 어떻게 천국이 천국일 수 있겠는가 이런 질문을 하는 사람들이 있습니다. La question qu'il pose c'est ben moi certes je vais au ciel réjouissance mais si je le souvenir que ma famille elle est en enfer comment est-ce que le royaume des cieux pourrait être un lieu de joie pour moi? 근데 사실 그렇지 않습니다. Mais je vais vous expliquer comment. 천국은 사랑의 세계입니다. Le royaume des cieux est le royaume de l'amour. 근데 인정의 세계는 아니라는 겁니다. Mais c'est pas un lieu de reconnaissance des uns vis-à-vis des autres. 사랑과 인정은 다르잖아요. L'amour et les connaissances sont deux choses différentes. 하나님이 우리를 부활의 몸을 입게 해서 천국에 보내실 때 Il y a donc Dieu qui nous transforme pour nous faire entrer dans son royaume quand on ressuscite. Et donc notre système de valeurs va complètement changer. Et donc nous, tout comme Dieu, nous aurons justement donc cette justice et cet amour parfait qu'il a. Et nous verrons comme il voit. 하나님을 배척하고 구원받지 못한 사람은 당연히 지옥에 간다고 생각하게 되는 겁니다. Et on en viendra à penser que c'est tout à fait normal que quelqu'un qui a rejeté Jésus, rejeté Dieu, soit en enfer. 아멘. 인정을 가지고 들어가는 곳이 아니라는 겁니다. On ne va pas entrer au ciel avec tous nos sentiments humains. 예를 한번 들어보겠습니다. Par exemple, 바퀴벌레 남편과 아내가 살았습니다. 바퀴벌레. 모기. 모기 남편과 아내가 살았습니다. On a un homme moustique et une femme moustique qui sont en couple. 근데 만약에 남편이 아니 아내가 사람이 있다고 가정해 보겠습니다. Mais imaginons que la femelle moustique se transforme en humain. 사람이 됐다면 차원이 다른 사람이 됐기 때문에 모기는 죽어야 한다고 생각하는 겁니다. Mais vu qu'elle est devenue humaine, les systèmes de valeurs changent et pour elle désormais un moustique on doit le tuer.
적절한 예인지는 모르겠습니다. Je sais pas si l'exemple est bon, mais. 이러한 인정과 이런 가치관을 가지고 가는 것이 아니라는 겁니다. Et donc le royaume des cieux c'est pas un monde où on entre avec nos sentiments et nos bons sentiments. 우리가 완전한 가치관을 갖게 되고 on aura justement un système de valeurs parfait comme Dieu. 하나님처럼 완전한 사랑과 공의를 가지고 천국에 들어가는 겁니다. Et on va entrer dans le royaume des cieux avec l'amour parfait et la justice parfaite de Dieu. 그래서 비록 가족이었다 할지라도 하나님을 배척하고 하나님의 사랑을 거절하고 지옥 간 사람은 당연하다고 생각하는 겁니다. Et même si c'est notre famille, à partir du moment où on va considérer que quelqu'un qui a rejeté Dieu, il est normal pour cette personne d'entrer en enfer, on n'aura plus ces sentiments envers vis-à-vis de la même la famille. 구원받지 못한 사람은 천국에 올 수 없다고 당연하게 생각한다는 겁니다. Et pour nous, ce sera tout à fait normal que quelqu'un qui a du péché n'entre pas au ciel. 아멘. 이해되신 분들은 박수 한번 쳐 주세요. Si vous avez compris, on peut applaudir. 네 번째로 quatrième caractéristique 한국은 만나는 세계 le royaume des cieux est un lieu de rencontre 13장 12절 같이 한번 읽겠습니다. On lit ensemble 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. 1 2 3 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 그 당시의 거울은 청동제 거울이었습니다. 청동제 거울이었습니다. 그 당시의 거울은 Et donc je connaîtrai comme j'ai été connu. 그래서 그 당시의 거울을 보더라도 아주 희미하게 보였던 겁니다. Et donc à l'époque où il y avait justement de les miroirs étaient faits avec du bronze et donc on voyait pas bien. C'était flou. 우리는 지금 희미하게 알고 있습니다. Et c'est pour cela que quand on dit qu'on voit comme avec au moyen d'un miroir, c'est que c'était flou. 근데 그날에 천국에 들어가면 Mais quand on entre au ciel, 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 본다는 겁니다. Alors nous verrons face à face. 지금 우리는 부분적으로 알고 있습니다. Là nous connaissons en partie. 안다고 하지만 모르는 게 훨씬 많습니다. On dit connaître mais en fait il y a bien plus de choses qu'on ignore qu'on ne connaît. 그때 주님께서 지금 나를 아신 것처럼 내가 완벽하게 알게 된다는 겁니다. Mais alors je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. 우리가 천국에 들어가면 얼굴과 얼굴을 대하여 보게 됩니다. Et une fois entré au ciel, nous verrons alors face à face. 천국은 만나는 세계입니다. Et le royaume des cieux est un lieu de rencontre. 시편 50편 4절 5절. Psaume 50 verset 4 et 5. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. 여기 하나님께서 말씀하십니다. Ici, 나의 Dieu 성도를 dit, 내 앞에 모으라라고 말씀하셨습니다. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles. 성도는 제사로 나와 언약한 자라고 말씀하셨습니다. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. 예수님이 십자가에 이루실 제사를 근거에 사시는 말씀인 겁니다. Et donc c'est ce salut par alliance avec le sacrifice. 예수님이 십자가에 이루신 그 영원한 제사로 언약을 맺은 사람이 성도인 겁니다. Et donc les saints sont ceux qui par l'alliance qu'a fait Jésus sur la croix ont été sanctifiés. 머지않아 하나님께서 성도를 하나님 앞에 다 모으실 겁니다. Et dans très peu de temps, il va rassembler tous ses fidèles. 신구약 성도 모든 성도들을 다 모으실 겁니다. Tous les fidèles de l'Ancien comme du Nouveau Testament. 데살로니가 후서 2장 1절도 de Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. 주님 앞에 분명히 다 모이게 됩니다. Et donc tous nous serons réunis avec lui. 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리 주님이 곧 재림하시잖아요. Et ce sera à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est imminent. 주님이 공중에 재림하실 때 우리가 그 앞에 다 모이게 됩니다. Lorsqu'il reviendra dans les airs, nous serons réunis avec lui. 이게 보통 일이 아닐 겁니다. Mais ça, ce n'est pas rien. 지금 옆에 있는 앉아 계시는 모든 성도들이 그날 다 하나님 앞에 모이게 됩니다. Et donc ceux qui sont à côté de vous ce jour-là, vous serez élevés dans les airs et réunis avec le Seigneur. 그날 구약 시대의 모든 성도를 다 만나게 됩니다. Et ce jour-là, on rencontrera tous les saints de l'Ancien Testament. 우리가 그때 아브라함을 보게 되고 On rencontrera Abraham. 다윗도 만나게 됩니다. David aussi. 다니엘도 만나게 되고 Et Daniel. 에스더도 만나게 될 겁니다. Esther. 우리가 그때 다 만납니다. On rencontrera tout le monde. 그리고 신약 시대의 모든 성도도 다 모이게 됩니다. Et tous les saints du Nouveau Testament. 우리가 그때 베드로도 만나게 되고. On rencontrera Pierre. 사도 바울도 만나게 되고. L'apôtre Paul.
그리고 성경에 나와 있지 않지만 신약 시대에 구원받은 모든 성도로 다 만나게 되는 겁니다. Et même si leur nom n'est pas écrit dans la Bible, on rencontrera tous les noms des saints depuis. 우리가 스펄전도 만나게 되고. On rencontrera Spurgeon. D.L. Moody도 만나게 됩니다. D.L. Moody. 요한 웨슬레도 만나게 됩니다. John Wesley. 그날 신구약 시대의 모든 성도를 다 만나게 됩니다. On rencontrera tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. 그리고 우리 중에 구원을 받고 함께 신앙생활을 하다가 먼저 주님 앞에 간 성도도 있을 겁니다. Et on rencontrera aussi tous les saints avec lesquels on a marché et qui sont partis avant nous. 그 성도를 또 만나게 됩니다. On les rencontrera aussi. 우리가 보잖아 파브리스 목사님도 만나게 될 거예요. On retrouvera le pasteur Fabrice. 내 가족 중에 구원을 받고 먼저 주님 품으로 간 내 가족들도 만나게 됩니다. Et on rencontrera les membres de notre famille sauvés qui sont partis avant nous. 엄청난 무리가 모일 겁니다. Et donc ce sera un grand troupeau. 그곳에 천만 천사들도 있을 것이고. Et nous nous retrouverons dans les cieux. 신구약 시대의 모든 성도들이 있을 겁니다. On retrouvera tous les saints de toutes les époques. 천국은 만나는 세계입니다. Et le royaume des cieux est un lieu de rencontre. 그리고 또 누구를 만나게 될까요? Et qui est-ce qu'on va rencontrer aussi? 세뇨, 우리 주님을 만나게 됩니다. On va rencontrer notre Seigneur. 이것이 우리에게 엄청난 축복이 될 겁니다. Et ça c'est une vraie bénédiction pour nous. 주님이 우리를 만나서 우리를 영원히 위로하시는 겁니다. Parce que on rencontrera notre Seigneur et il va nous consoler. 시편 16편 11절에 같이 한번 읽겠습니다. On lit ensemble Psaume 16 verset 11. 1, 2, 3. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternels à ta droite. 다섯 번째로. Cinquième point. 천국은 영원한 기쁨과 즐거움의 세계입니다. Le royaume des cieux est un lieu de joie et de réjouissance éternelle. 여기 주의 앞에는 기쁨이 충만하다고 말씀하셨습니다. Et il dit justement des délices éternels sont à ta droite. 주님 우편에는 영원한 즐거움이 있다고 말씀하셨습니다. Et donc il y a des délices, une joie éternelle à la droite du Seigneur. 인간은 이 세상에서는 절대 만족하지 못합니다. Mais dans ce monde, jamais notre joie ne pourra être à son comble. 근데 하나님 앞에 가면, Mais quand nous serons devant Dieu, 기쁨이 가득 채워지고, nous serons remplis de joie. 기쁨이 가득 채워진 채로 영원히 지속되는 겁니다. Nous serons et remplis de joie et cette joie sera remplie éternellement. 고통이라는 것도 하나님이 만드셨고, 즐거움이라는 것도 하나님이 만드셨습니다. Dieu a fait la souffrance, mais il a aussi fait la joie. 천국에 들어가면 고통이라는 감정을 하나님 완전히 없애버리십니다. Et une fois entré dans les cieux, alors cette souffrance même va totalement disparaître. 즐거움으로만 가득 채워지는 세계인 겁니다. C'est un monde qui est rempli seulement de délices et de joie. 이거 한번 생각해 보세요. Imaginez un peu. 예를 들어 오늘 내가 너무 행복하고 재미있었다고 가정해 보겠습니다. Imaginez qu'aujourd'hui vous ayez passé une excellente journée, que vous soyez très bien amusé. 이 세상에서는 그 다음 날이 되면 그 즐거움은 줄어들 수밖에 없습니다. Forcément que si vous êtes au maximum de votre joie le lendemain, ça va être difficile de rester au maximum. 그 다음 날이 되면 더 줄어들겠죠. Et donc ça va, votre joie va diminuer le jour d'après encore plus. 하나님은 이 세상에서의 즐거움은 제한시켜 놓으신 겁니다. Parce que Dieu justement a mis une limite à la joie qu'on pouvait connaître sur cette terre. 근데 하나님은 천국에서는 그 제한을 완전히 없애 버리십니다. Mais Dieu a complètement enlever les limites à la joie qu'on connaîtra dans son royaume. 그래서 오늘 너무 재미있고 행복하고 기뻤는데. Aujourd'hui, je me suis bien amusée, j'ai été heureuse, contente. 내일은 그것보다 더 재미있습니다. Mais sachez que dans les cieux, le lendemain sera encore plus. 그 다음 날은 더 재미있어요. Et le jour d'après encore plus. 그 다음 날은 더 재미있습니다. Et encore plus le jour suivant. 이것이 영원히 지속된다는 겁니다. Et ça va se répéter pour l'éternité. 천국은 기쁨이 충만한 세계입니다. Et donc le royaume des cieux est un lieu où qui est rempli de joie. 이 재미있는 세계에서 우리가 천년만년 사는 게 아닙니다. Mais ce n'est pas un royaume génial où on va seulement passer 1000 ans. 이 기쁨의 세계에서 영원히 살게 됩니다. On va passer notre éternité dans ce royaume. 천국이 정말 재미있을 겁니다. Et ça va être vraiment très amusant. 아마 우리가 천국에 들어가면 너무 재미있어서요. 웃느라 입이 찢어질 거예요. Et certainement qu'on va un peu avoir mal aux fossettes à force de rire dans le royaume des cieux, tellement c'est amusant. 그 세계를 하나님이 만들어 놓으신 겁니다. Mais c'est ainsi que Dieu a fait les cieux. 적절한 인지 모르겠는데 한번 제가 말씀드려 볼게요. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas s'il est bon. 요즘 사람들이 마약을 합니다. De nos jours, beaucoup se droguent.
미국에는 마약 중독자가 많잖아요. Il y a énormément d'addicts aux États-Unis. 한국에도 마약 중독자가 점점 늘어나고 있어요. Et petit à petit en Corée aussi on en a de plus en plus. 근데 마약의 성분도 하나님이 만들어 놓으셨잖아요. Mais les éléments qui constituent la drogue et qui rend addict, c'est Dieu qui les a fait aussi. 마약의 성분을 잘 쓰면 유용하게 쓰일 수 있는 겁니다. Parce qu'en soi, la drogue au départ, ça avait des effets positifs. On utilisait à bon escient la drogue. 예를 들어 암 환자 같은 경우는 마약 성분이 있는 진통제를 맞잖아요. Parce que par exemple, pour quelqu'un atteint du cancer, les éléments qui constituent la drogue permettaient d'enlever la douleur, enfin, de ne plus la sentir. 하나님이 필요하니까 만들어 두신 겁니다. Et si Dieu a donné ces éléments, c'est afin qu'on les utilise à bon escient. 근데 사람들은 그것을 악용해서 마약에 중독이 되죠. Mais par contre, les hommes ont détourné cet usage pour en faire une addiction. 마약하는 사람들의 말을 들어보면, Et si vous écoutez ce que disent les accros à la drogue, 마약이 주는 중독이 정말 크다고 합니다. 마약이 주는 쾌감, 즐거움이 정말 크다고 합니다. Et en fait, ils disent que vraiment, en fait, la drogue apporte une vraie allégresse. 그래서 거기에 중독되어서 끊지를 못하는 거죠. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à arrêter. 근데 마약에 중독되면 부작용이 있잖아요. Mais quand on devient addict, il y a des effets secondaires. 하나님께서 제한을 딱 두신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu a mis une limite. 그런데 천국에서는 그 제한을 완전히 풀어버리시는 겁니다. Mais Dieu, par contre, enlèvera cette limite à la joie au ciel. 즐거움이 완전히 극대화되는 곳이 천국인 겁니다. En fait, le royaume des cieux, ce sera vraiment là où il n'y aura pas de limite à la joie qu'on connaîtra. 아멘. 천국에서 마약한다는 뜻이 아닙니다. On va pas les droguer aux cieux pour autant, hein. C'est pas ce que je dis. 그렇게 이해하시는 분들 안 계시죠? Personne n'a compris qu'il y aurait de la drogue au ciel, n'est-ce pas? 이 세상에서의 모든 즐거움과 기쁨은 한계가 있는 겁니다. Mais c'est que dans ce monde, même la meilleure des joies est limitée. 왜냐하면 한계를 두지 않으셨다면 아무도 구원받으려고 하지 않았을 테니까. Parce que s'il n'avait pas mis une limite à la joie qu'on connaît sur terre, personne n'aurait envie d'aller aux cieux. 천국에 들어가면 하나님이 그 기쁨의 한계를 없애버리십니다. Mais Dieu a enlevé justement cette limite à la joie dans les cieux. 그래서 영원한 즐거움이라고 말씀하신 겁니다. Et c'est pour ça qu'on nous parle de délice éternel. 아멘. 그래서 사도 바울은 셋째 하늘까지 갔다 온 사람이잖아요. Et on a l'apôtre Paul qui a été dans les cieux aussi. 그래서 바울은 빨리 죽어서 하나님과 함께 거하기를 희망한다고 얘기했습니다. Et l'apôtre Paul a toujours répété qu'il voulait aller au plus vite dans les cieux. 고린도후서 5장 8절에 De Corinthiens chapitre 5 verset 8. 천국 가실 분들만 같이 한번 읽겠습니다. Seuls ceux qui vont au ciel peuvent lire. 1, 2, 3. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 사도 바울은 천국을 경험하고 한 사람이기 때문에 빨리 죽기를 원했던 겁니다. Et justement parce que Paul était sauvé, il voulait au plus vite entrer dans les cieux. 천국은 영원한 기쁨의 세계입니다. Parce qu'il connaît la, il savait la joie qui l'attendrait dans le royaume des cieux. 그리고 다섯 번째로, cinquième point. 계시록 7장 17절 한번 읽어주세요. On est dans Apocalypse chapitre 7 verset 17 si on peut lire. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. 우리가 머지않아 천국에 들어가서 하나님으로부터 영원한 위로를 받게 됩니다. Et dans peu de temps nous entrerons dans le royaume des cieux et alors nous connaîtrons la consolation qui nous vient du Seigneur. 천국은 영원한 위로의 세계입니다. Parce que le royaume des cieux est un lieu de consolation éternelle. 하나님께서 저희 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것이다. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. 눈물을 씻어 주신다는 말은 Quand il dit essuyer les larmes, 물리적으로 눈물을 닦아 주신다는 말도 되겠지만 ça peut s'appliquer concrètement peut-être essuyer les larmes physiquement. 하나님께서 내 모든 인생의 수수께끼를 다 풀어 주신다는 뜻인 겁니다. Mais ça veut surtout dire qu'il va résoudre toutes les énigmes qu'on avait dans notre vie. 우리가 주님을 만나면 여쭤볼 것이 많이 있습니다. Et on a beaucoup de questions à poser à Dieu quand on le rencontrera, n'est-ce pas? 하나님 왜 나를 아프리카에 태어나게 하셨어요? Pourquoi Dieu tu m'as fait naître en Afrique? 왜 나를 베냉에 태어나게 하셨어요? Pourquoi le Bénin? 왜 나를 카메룬에 태어나게 하셨어요? Pourquoi pas le Cameroun? 왜 나를 한국에 태어나게 하셨어요? Pourquoi m'avoir fait naître en Corée? 왜 나를 프랑스에 태어나게 하셨어요? Pourquoi en France?
하나님께 물어볼 게 많이 있습니다. On a beaucoup de questions à poser à Dieu. 하나님 왜 나를 이렇게 가난한 가정에 태어나게 하셨어요? Pourquoi une famille si pauvre, Dieu? 하나님 왜 내게 이런 남편을 허락하셨어요? Pourquoi ce mari-là? 왜 내게 이런 아내를 허락하셨어요? Pourquoi cette sœur? 왜 내게 이런 자녀를 주셨어요? Pourquoi ces enfants? 하나님 왜 내게 이런 약점을 주셨어요? Pourquoi cette faiblesse? 왜 내게 이런 질병을 주셨어요? Pourquoi cette maladie? 하나님께 여쭤볼 게 많이 있습니다. On a beaucoup de questions à lui poser. 왜 내가 가장 사랑했던 이삭을 하나님 데려가셨어요? 왜 이삭을 먼저 데려가셨어요? 이삭? 이삭. 아, 이삭? 왜 하나님 내 이삭을 먼저 데려가셨어요? 여쭤볼 게 있다는 겁니다. On a donc on va lui demander par exemple pourquoi est-ce qu'il a pris d'abord notre Isaac? 왜 내게 사무엘을 주지 않으셨어요? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas donné Samuel? 하나님께 여쭤볼 게 많이 있습니다. On a beaucoup de choses à lui demander. 그때 하나님이 눈물을 닦아주시고, mais il essuiera alors toutes larmes de nos yeux. 모든 답을 다 주실 겁니다. Et il répondra à toutes nos questions. 왜 너에게 그런 어려움이 많았는 줄 아느냐? Et le pourquoi on a tant de difficultés? 너의 마음을 낮춰서, mais c'est afin de nous humilier dans notre cœur. 구원받게 하려고 그렇게 했다. Et afin de nous sauver, c'est pour cela. 구원받은 이후에도 왜 이렇게 고난이 많았냐면, et pourquoi on a eu tant de souffrance après le salut? 너의 마음을 낮춰서, c'est afin qu'on s'humilie dans notre cœur. 하나님만 의지하게 만들려고 했다. Et afin qu'on continue à s'appuyer en lui. 아멘. 성경의 하나님은 사실 고통의 하나님이십니다. Si on lit la Bible, on se rend compte que Dieu c'est le Dieu de la souffrance. 고난을 통해서 내 인생을 만들어 가시잖아요. Parce que c'est à travers la souffrance qu'il me forge dans ma vie. 하나님이 모든 눈물을 닦아 주시는 겁니다. Mais il est celui qui essuiera toutes larmes de nos yeux. 하나님이 우리에게 주시는 엄청난 위로가 있는 겁니다. Et il y a une grande et gigantesque consolation qu'il réserve pour nous. 데살로니가후서 2장 16절에 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. 영원한 위로라고 말씀하셨잖아요. On nous parle d'une consolation éternelle. 우리가 하나님을 만나서 위로를 받습니다. Une fois qu'on aura rencontré Dieu, on sera consolé. 근데 그 위로가 영원한 위로라는 겁니다. Mais c'est une consolation éternelle. 계시록 21장 4절 같이 읽겠습니다. On lit ensemble Apocalypse chapitre 21 verset 4. 1 2 3. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 천국에서는 눈물이 없습니다. Il n'y a pas de larmes dans le royaume des cieux. 천국에서는 사망도 없고, il n'y a ni deuil, 애통하는 것도 없고, ni cri, 곡하는 것도 없고, ni douleur. 아픈 것도 다시 있지 않습니다. On ne souffre plus. 천국에 없는 것도 많습니다. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas au ciel finalement. 우리가 엄청난 위로를 받게 됩니다. Mais nous serons grandement consolés. 우리가 그때 눈물 없는 눈물을 눈물 없는 눈을 갖게 될 때, et justement lorsque nos larmes seront essuyées, 우리가 비로소 웃게 될 겁니다. Alors on sourira. 아멘. 눈물을 흘릴 수 없는 눈을 갖게 되고 우리가 그때 영원히 진정으로 웃게 됩니다. Parce que une fois que toutes nos larmes auront été effacées, nous rirons. 그 세계가 멀지 않았다는 겁니다. Et ce royaume est proche. 우리의 모든 소원이 다 이루어집니다. Et tous nos vœux s'accompliront. 그리고 여섯 번째로, sixième point, 천국은 보상을 받는 세계입니다. Le royaume des cieux est un monde où on est récompensé. 계시록 14장 13절. Apocalypse chapitre 14 verset 13. 중요한 말씀이니까 같이 읽겠습니다. C'est un verset important, le lit tous ensemble. 1 2 3. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. 하늘에서 음성이 들렸습니다. Et donc, 하늘에서 음성이 나서 갑니다. J'entendis du ciel une voix qui disait: 기록하라고 하셨습니다. Écris. 중요한 말씀이니까 기록하라고 하셨잖아요. Et parce que c'est un verset important, c'est pour ça qu'il dit écris. 자금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있다고 말씀하셨습니다. Et il dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. 왜 그리스도 안에서 죽는 자들이 복이 있을까요? Pourquoi heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur? 첫 번째 이유가 있습니다. Première raison. 그리스도 밖에서 죽는 사람들이 너무 많기 때문입니다. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui meurent
hors du Seigneur, sans le Seigneur. 지금도 너무나 많은 사람들이 구원을 받지 못하고 그리스도 밖에 있습니다. Encore maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées, qui sont sans le Seigneur. 사실 우리 모두도 그리스도 밖에 있었던 사람이었습니다. Et nous aussi, nous étions parmi eux. 근데 구원을 받을 때 그리스도 안으로 들어왔잖아요. Mais quand nous avons reçu le salut, nous sommes désormais dans le Seigneur. 지구상에 얼마나 많은 사람들이 있습니까? Et dans ce monde, il y a tellement de gens. 80억이 넘는 사람들이 있습니다. On est plus de 8 milliards sur cette terre. 그들 중에 대부분의 사람들은 그리스도 밖에 있습니다. Et la majorité sont hors du Seigneur. 근데 우리는 구원을 받고 그리스도 안에 들어온 사람들입니다. Mais nous avons reçu le salut et nous sommes dans le Seigneur. 그러니까 우리는 복을 받는 사람들입니다. Nous sommes heureux en cela. 아멘. 그리고 또 한 가지 이유가 있습니다. Il y a une autre raison. 주 안에서 죽는 자들이 복이 저희 수고를 그치고 쉬리니. Heureux aussi parce que ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. 그리스도 안에서 들어와서 그리스도 안에서 죽는 성도는 수고를 그치고 쉬게 됩니다. Et donc les saints qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux. 이 세상에 태어나서 사는 것 자체가 수고와 고통뿐입니다. Et rien que de naître sur cette terre, c'est simplement peine et misère. 지금까지 살아오시면서 수고를 많이 하셨잖아요. Et jusqu'à présent, vous avez donné beaucoup de peine, n'est-ce pas? 구원받은 이후에도 우리가 수고를 많이 했습니다. Et après le salut aussi, on se donne beaucoup de peine. 하나님이 우리 부족한 점이 있기 때문에 우리를 단련하셨고. Et parce que nous sommes justement imparfaits, Dieu nous forge. 우리에게 많은 고통과 눈물이 있어 왔습니다. Et il y a eu donc beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes. 그리고 구원받은 이후에도 우리가 복음을 전하기 위해서 많은 수고를 해 왔잖아요. Mais ça a conduit à notre salut. Une fois sauvé, il nous fait également beaucoup de beaucoup de peine. 이번에 컨벤션을 준비하기 위해서 많이 고생하셨을 겁니다. Et vous êtes donné beaucoup de peine par exemple pour la préparation de la convention. 그런데 주님 앞에 갔을 때 그 수고를 그치고 쉬게 됩니다. Mais une fois que nous serons dans les cieux, nous nous reposerons de nos travaux. 천국은 영원히 쉬게 됩니다. Et nous nous reposerons éternellement dans le royaume des cieux. 그래서 복이 있는 겁니다. Et c'est dans cela qu'on est heureux. 그리고 주 안에서 죽는 사람들이 복이 있는 이유가 또 있습니다. Et il y a une autre raison pour laquelle heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. 저희의 행한 일이 따르리라 하시더라. C'est car leurs œuvres les suivent. 구원받은 이후에 주님을 위해 행했던 모든 것이 그대로 남게 된다는 뜻입니다. Parce que après notre salut, tout ce que nous faisons pour le Seigneur reste. 주님을 했던 모든 것이 상급으로 영원히 나를 따라오게 되는 겁니다. Et donc tout ce que j'ai fait pour le Seigneur va justement se transformer en rétribution qui demeure éternellement. 그래서 그리스도 안에서 죽는 자들은 복이 있는 겁니다. Et c'est en cela que heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. 천국은 보상의 세계입니다. Parce que le royaume des cieux est un lieu de rétribution. 하나님이 상급으로 정확하게 갚아주시는 겁니다. Et il va nous récompenser vraiment précisément. 아멘. 그래서 이 구절을 보면 인생이 아주 간단해집니다. Et en fait, quand on regarde ce verset, ça simplifie beaucoup la vie. 인생이 어떻게 살아야 할까요? Comment mener notre vie alors? 먼저는 확실하게 구원을 받고 그리스도 안으로 들어와야 합니다. La première des choses est qu'il faut recevoir le salut et entrer dans le Seigneur. 그리고 그리스도 안에 들어온 사람은 주님을 위해 열심히 살아야 되는 겁니다. Et une personne qui est dans le Seigneur doit désormais se consacrer au Seigneur et travailler avec zèle pour lui. 구원받은 이후에 주님을 위해 했던 모든 것은 영원히 남게 됩니다. Et tout ce que nous faisons dans le Seigneur demeure éternellement. 영혼을 건지기 위해 했던 모든 수고는 다 상급으로 남게 됩니다. Et donc toutes les peines qu'on s'est données pour le salut des âmes sera transformée en récompense. 교회를 세우기 위해 했던 모든 수고는 영원히 남게 됩니다. Et toutes les peines qu'on s'est données pour l'édification des églises va rester aussi éternellement. 복음을 전하기 위해서 시간과 재물을 투자했던 모든 것은 영원한 상급으로 남게 됩니다. Et tout ce qu'on a sacrifié, que ce soit en temps ou en bien matériel pour la prédication et le salut des âmes, ça va rester aussi éternellement. 그렇게 살다가 그리스도 안에서 죽는 사람들은 복이 있는 겁니다. Et c'est en cela que heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. 아멘. 천국은 보상의 세계라는 겁니다. Le royaume des cieux est un lieu de récompense. 요한계시록 21장 24절. Apocalypse chapitre 21 verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. 여기 만국이 나옵니다. 만국. Ici on nous parle les nations. 만국은 문맥상 천년 왕국 기간 동안에 구원받은 성도들을 가리킵니다. Mais ici, dans le remis, dans son contexte, les nations désirent justement donc ceux qui sont sauvés durant le royaume de 그리고 여기 2000. 땅의 왕들이 나옵니다. 땅의 왕들. Et on nous parle des rois de la terre ici. 여기 땅의 왕들은 추거당한 신구약 시대의 모든 성도들을 의미합니다. Et ici, justement, cela désigne tous ceux qui sont morts déjà dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. 이것을 보면 천년 왕국 기간 동안에 신구약 시대에 구원받은 모든 성도들이
왕들이라는 걸 알 수 있습니다. Et par ce verset, on peut savoir que durant le millénium, en fait, que ce soit tous les saints de l'ancien du nouveau régneront. 우리가 머지않아 왕들이 됩니다. Donc nous très bientôt nous régnerons en roi. 지금 여기 왕들이 앉아 계시는 거예요. Donc ici on a beaucoup de rois assis. 우리 주님은 만왕의 왕이시고. Le Seigneur est le roi des rois. 우리는 다 왕들이 되는 겁니다. Et nous sommes tous rois. 왕들이 된다는 것은 다스린다는 뜻이고. Et quand on parle d'être roi, ça veut dire qu'on règne. 심판하는 권세를 가졌다는 뜻이 되는. Et qu'on a le pouvoir de juger. 근데 땅의 왕들이 자기 가지고 그리로 들어올 거라고 말씀하셨잖아요. Mais il est dit que les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. 천년 왕국이 끝나면 우리는 영원한 천국으로 들어가게 될 텐데. Et une fois le millénaire terminé, on entre dans le royaume des cieux. 그때 우리는 각자의 영광을 가지고 들어가는 겁니다. Et alors justement, il apportera la gloire pour chacun. 주님을 위해 살았던 모든 것이 상급과 영광으로 바뀌어서 영원히 나를 따라오게 되는 겁니다. Et justement, tout ce qu'on a fait sur terre, en proportion de cela, il va nous récompenser dans les cieux. 26절 한번 읽어주세요. Verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어오겠고. On y apportera donc la gloire et l'honneur des nations. On entrera avec ça après le millénium dans le royaume. 그 영광이 영원히 천국까지 그 사람을 따라오는 겁니다. Et donc la gloire de cette personne la suivra jusqu'au ciel. 우리가 교회에서 봉사하고 수고하고 희생했던 것은 하나도 땅에 떨어지지 않습니다. Et rien de ce qu'on a fait en tant que service, de ce qu'on a fait pour le Seigneur, pour les âmes, ne tombera vainement. 이번에 컨벤션을 위해서 수고하고 희생했던 모든 봉사는 하나도 땅에 떨어지지 않습니다. Et tous les efforts qui ont été donnés pour la préparation de la convention, il n'y a pas un seul de ces efforts qui va tomber de manière qui va se perdre. 하나님 그것을 상급과 영광으로 바꿔서 Dieu va transformer ça et le rendre en rétribution. 우리가 그것을 가지고 영원히 천국에 들어가게 되는 겁니다. Et en gloire, et justement, c'est ce que nous connaîtrons dans le royaume des cieux. 그 보상이 영원히 지속이 됩니다. Et justement, cette rétribution-là sera éternelle. Amen. 22장 5절 같이 한번 읽겠습니다. Chapitre 22, verset 5, on lit ensemble. 1, 2, 3. Il n'y aura plus de lui. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. 천국에는 밤이 없습니다. Il n'y aura plus de nuit dans le royaume des cieux. 지금은 이 세상에서는 밤과 낮이 교차가 되지 않습니까? Et nous justement en fait les journées et les nuits se succèdent. 지옥은 영원한 밤의 세계입니다. Même l'enfer lui c'est la nuit pour l'éternité. 완전한 암흑의 세계잖아요. C'est un monde de complète obscurité. 천국은 밤이 없습니다. Mais il n'y a pas de nuit dans le royaume des cieux. 하나님이 빛이시니까 하나님이 계시니까 어둠이 없는 세계인 겁니다. Parce que Dieu est lumière, il n'y a absolument pas d'obscurité. 지금 우리가 사는 세계는 밤과 낮이 교차가 되는데 Et c'est vrai que nous sur terre se succèdent le jour et les nuits. 이건 하나님이 우리에게 교훈해 주시려고 하는 겁니다. Mais c'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. 결정하라는 겁니다. C'est afin qu'on choisisse. 영원한 낮의 세계로 갈지, 영원한 밤의 세계로 갈지 결정하라는 걸 말씀하시는 겁니다. Et il nous donne cela pour qu'on choisisse. Est-ce que ce sera l'obscurité pour l'éternité ou le ciel pour la lumière pour l'éternité? Amen. 천국은 밤이 없습니다. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas de nuit. 왜냐하면 빛이신 하나님이 저희에게 빛이시기 때문입니다. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera, lui qui est la lumière. 그곳에서 우리가 세세토록 왕노릇하리로다. Et ils régneront au siècle des siècles. 거기는 늙고 병들고 죽는 것도 없습니다. Il n'y a donc ni douleur ni cri, il n'y a plus de maladie non plus. 그리스도인들이 여기서 영원히 왕으로서 다스리게 되는 겁니다. Et on aura les sauvés qui régneront éternellement en tant que roi. 이것이 우리의 결론입니다. Et voici un peu ce qui nous attend. 모자나 왕이 됩니다. On régnera au siècle des siècles. Et pour terminer, 천국에 가는데 시간이 얼마나 걸릴까요? Combien de temps ça prend pour aller au ciel? 몇 분 걸릴까요? Combien de minutes pour aller au ciel? 누가복음 23장 43절에 Dans Luc chapitre 23 verset 43. 예수님께서 옆에 달린 강도에게 하신 말씀입니다. On voit ici ce que dit Jésus au bandit qui est à côté de lui. 다시 한번 읽겠습니다. On le lit ensemble. 1 2 3 Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. 예수님께서 강도에게 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 말씀하셨습니다. Jésus dit au bandit, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui.
우리가 아는 것처럼 예수님은 오후 3시에 돌아가셨잖아요. Et nous savons que Jésus a rendu l'âme à 3 heures, pardon. 근데 이 강도는 십자가에 달려 죽지 않았습니다. Mais le bandit lui n'est pas mort sur la croix. 유대인들은 오후 6시를 하루의 기점으로 봅니다. Parce que pour les Juifs, 6 heures du soir c'est l'heure où on change de jour. 오후 6시가 지나면 하루가 지난 것으로 보잖아요. Donc pour eux, à 6 heures du soir, on est déjà le lendemain. 예수님이 십자가에 돌아가신 날 이후가 안식일이었습니다. Et le lendemain de la mort de Jésus, c'est donc le sabbat. 안식일에 시체를 나무에 달아 놓는 것은 불경하다고 유대인들은 생각했습니다. Et ils pensaient justement que c'est donc impur qu'il y ait quelqu'un de pendu au bois pendant le sabbat. 예수님은 오후 3시에 돌아가셨지만 Jésus lui a rendu l'âme à 3 heures de l'après-midi. 이 강도는 하루가 지나기 전에 죽지 않았기 때문에 Mais parce que justement les bandits eux n'étaient pas encore morts avant que le prochain jour arrive. 하루가 바뀌기 전에 뼈를 부러뜨려서 죽였잖아요. Ils les ont quasiment tués avant que le lendemain arrive en leur brisant les os. 그러니까 이 강도는 하루가 지나가기 거의 직전에 죽은 겁니다. Et donc il est mort juste avant qu'on ne passe au lendemain après 6 heures. 근데 예수님이 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀하셨기 때문에 Mais parce que Jésus lui avait dit Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. 오늘 낙원에서 만날 거라고 말씀하셨잖아요. Il lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi. 그러니까 강도는 6시 거의 직전에 죽었는데. Et donc le bandit est mort quasiment juste avant qu'on ne soit 6 heures. 오늘 만난다고 하셨기 때문에 천국 가는데 얼마나 걸린 겁니까? Et donc vu qu'il a dit aujourd'hui, ça a pris combien de temps pour aller au ciel? 너무 가까운 겁니다. C'est très très proche. 천국 가는데 시간이 별로 안 걸립니다. Ça ne prend pas du tout longtemps pour aller au ciel. 이해되십니까? Vous voyez? 여기 코토누에서 칼라비까지 가는 것보다도 가깝습니다. C'est plus proche que d'ici à Calavi. 천국 가는데 시간이 걸리지 않습니다. Ça ne prend pas de temps d'aller au ciel. 아멘. 우리가 머지않아 이곳에 들어갑니다. Et nous allons y rentrer dans très peu de temps. 우리가 성경대로 죄 사함 받은 것이 확실합니까? Et est-ce que vous êtes certain d'avoir été justement purifié bibliquement? 예수님이 나를 위해 죽으신 게 진짜 확실합니까? Est-ce que vous êtes vraiment certain que Jésus est mort pour vous? 내가 정말 성경대로 구원받은 것이 확실합니까? Vous êtes certain d'être sauvé en accord avec la Bible? 그럼 머지않아 성경대로 천국에 들어갈 겁니다. Alors, dans très peu de temps, nous rentrerons dans son royaume. 천국이 있고 il y a le royaume des cieux 우리가 천국에 들어갈 것이기 때문에 et c'est là que nous allons entrer 우리가 남은 생애를 이제 어떻게 살아야 할까요? Mais c'est pour ça que désormais comment est-ce qu'il faut qu'on vive le reste de notre vie? 구원을 받고 천국에 들어가는 사람은 절대 세상 일로 염려해서는 안 됩니다. Et il n'y a aucune inquiétude à avoir pour une personne sauvée dans ce monde. 예수님이 제자들에게 근심하지 말라고 말씀하시면서 내 아버지의 집에 거할 곳이 많다고 말씀하셨습니다. Et Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant de ne pas s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son père. 천국에 들어가게 된 사람은 이 세상 일로 염려하지 말라는 겁니다. Et donc pour ceux qui vont entrer aux cieux, il leur dit bien de ne pas s'inquiéter dans ce monde. 왜냐하면 내 아버지 집 천국에 거할 곳이 많기 때문입니다. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. 이거 한번 생각해 보세요. Et si on réfléchit, 어제 구원받지 못하고 지옥 간 사람은 Ceux qui hier sont morts sans être sauvés 하루 동안 굉장히 많이 고통을 당하고 눈물을 흘렸을 겁니다. ont déjà passé une journée dans les pleurs et les grincements de dents. 우리가 구원을 받은 이후에 아무리 고생하고 눈물을 많이 흘려도 어제 지옥 간 사람과는 비교할 수 없지 않습니까? Et même si on souffre et qu'on pleure nous aussi sur cette terre, on ne souffrira jamais autant, on ne pleurera jamais autant que quelqu'un qui est en enfer. 우리가 구원받은 이후에 아무리 많이 눈물을 흘려도 어제 지옥 간 사람 하루 흘린 눈물의 양보다는 덜합니다. Et donc nous même si on souffre beaucoup et qu'on pleure ça ne sera jamais autant qu'une personne qui elle passe sa journée en enfer. 아멘. 그러니까 구원받은 사람은 염려하지 말아야 됩니다. Et c'est pour cela que dans tous les cas une personne sauvée n'a pas à s'inquiéter. 그리고 천국을 확신하는 사람은 나그네처럼 살아야 합니다. Et une personne qui est assurée de son salut doit marcher comme un pèlerin. 우리가 지금 살고 있는 이 세상은 잠깐 지나가는 장소입니다. 거쳐가는 곳입니다. Nous ne sommes des voyageurs sur cette terre, nous ne sommes que de passage. 그리고 천국을 확신하는 사람은 이 세상에서 적극적으로 고난을 받아야 합니다. Et justement une personne qui est assurée de son salut ici vit avec assurance. 우리가 머지않아 천국에 들어가는 것이 사실이고 Le fait que bientôt nous allons entrer dans le royaume des cieux est un fait. 그곳에서 삼위일체 하나님을 우리가 만나게 되고 Nous allons rencontrer Dieu, la Trinité.
천군 천사 앞에 서게 되고 nous nous tiendrons devant le peuple et les anges 신구약 시대의 모든 성도를 만나게 되고 on rencontrera tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament 그 앞에서 했던 모든 것이 기억되고 상으로 갚아진다면 et si justement tous nos œuvres recevront rétribution 이것이 진짜 분명하다면 si ça c'est vraiment sûr 우리가 더 복음을 위해서 살아야 됩니다. Alors il faut qu'on vive encore plus pour l'évangile. 우리가 더 주님을 위해서 열심히 살아야 되는 겁니다. Il faut qu'on soit encore plus zélé pour le Seigneur. 동의하시는 분들은 박수 쳐 주세요. Si vous êtes d'accord, on peut applaudir. 우리가 잠깐 지나간 이 세상에 살고 있지만 Nous ne vivons dans ce monde mais c'est passager. 천국과 지옥을 진짜 믿는 사람이라면 Et si vraiment nous croyons est-ce qu'il y a le royaume des cieux et l'enfer? 사람의 영혼을 건져 더 집중하게 될 겁니다. Alors nous allons nous concentrer toujours plus sur le salut des âmes. 인생의 초점을 영혼에 맞추게 되는 겁니다. Et justement tout ce qui est spirituel sera le au cœur même de notre vie. 그것이 더 현명한 인생이 되는 겁니다. Et ça ce sera une vie bien plus sage. 우리는 세상 사람들과 다른 가치관을 가진 사람입니다. Nous avons un système de valeurs complètement différent des gens de ce monde. 주님을 위해 사는 것도 이 세상에서만 가능합니다. Et vivre pour le Seigneur c'est seulement possible sur cette terre. 주님을 위해 복음을 전하는 것도 이 세상에서만 가능합니다. Prêcher l'évangile du Seigneur c'est seulement possible sur cette terre. 곧 모든 것이 다 지나갑니다. Et très bientôt, tout prendra fin. 우리가 어차피 주님을 만나게 되고 신구약 시대의 성도들을 다 만나게 된다면 우리가 어떻게 살아야 할까요? Et si nous allons donc rencontrer le Seigneur, si nous allons rencontrer tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, comment est-ce qu'il faut qu'on vive maintenant? 잘 아시는 말씀입니다. C'est un verset que vous connaissez bien. 고린도전서 15장 58절. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. 같이 한번 읽겠습니다. On lit tous ensemble. 1, 2, 3. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 우리가 마지막 때를 살면서 경고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되어야 합니다. Et il s'adresse ici à nous aussi qui vivons à la fin des temps en nous disant soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. 안으로는 서로 사랑하고 on s'aime toujours plus les uns les autres. 밖으로는 복음을 힘있게 전하는 주님의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되어야 하는 겁니다. Et il faut que on soit ceux qui travaillent de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur en prêchant toujours plus cet évangile à ceux qui sont dehors. 뒤에 그 이유가 있습니다. Et il y a une raison à cela. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 전도서 1장 2절에는 헛되다는 표현이 네 번이나 나옵니다. Dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, c'est à 4 reprises qu'on dit vanité. 해 아래서 모든 것이 헛됩니다. Toute chose sous le soleil est vaine. 아담 안에서 있는 모든 것은 헛됩니다. Toute chose justement en Adam est vaine. 네, 이건 신약 성경의 주제입니다. 신약 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. Et c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 아멘. Amen. 우리는 절대 헛되지 않은 길에 들어서 있습니다. Et nous marchons sur un chemin qui n'est pas vain. 영원히 남게 되기 때문입니다. Et cela va rester pour l'éternité. 예수님께서 이렇게 약속하셨습니다. Et c'est la promesse que nous a fait le Seigneur Jésus. 계시록 22장 12절 같이 읽겠습니다. On lit ensemble Apocalypse chapitre 22 verset 12. 1 2 3. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 주님께서 모든 수고에 대해서 보상으로 다 갚아 주실 겁니다. Et il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 주님은 우리에게 줄 상을 갖고 계십니다. Et c'est lui qui a sa rétribution avec lui. 그리고 구원받은 각 사람에게 일한 대로 갚아 주시는 겁니다. Et il va rendre à chacun à chaque sauvé selon ce qu'est son œuvre. 요한일서 2장 17절에 Dans 1 Jean chapitre 2 verset 17 미국의 복음 전도자였던 디엘 무디의 묘비 비문에 이 구절이 적혀 있다고 합니다. Il est dit justement que D.L. Moody, qui a été prédicateur aux États-Unis, sur sa tombe, c'est ce qu'on a écrit, l'inscription. 마지막으로 같이 읽겠습니다. On lit ce verset ensemble. 1, 2, 3. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 이 세상도 정욕도 다 지나갑니다. Le monde passe, et sa convoitise aussi. 근데 하나님의 뜻을 행한 것만 영원히 남게 됩니다. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 우리는 헛되지 않은 인생을 살고 있습니다. Nous ne menons une vie qui n'est pas vaine. 그래서 주님 오시는 날까지 우리가 더 복음을 위해 수고하다가
Et il faut que, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous vivions toujours plus pour son évangile. 더 담대하게 복음을 전하다가, qu'on prêche son évangile avec toujours plus d'assurance. 우리가 주님 앞에 서야 할 겁니다. Et alors, nous pourrons nous tenir devant lui. 천국과 지옥이 있기 때문에 우리가 더 담대하게 힘 있게 전해야 할 거라고 생각합니다. Et je pense que parce qu'il y a le royaume des cieux et l'enfer, il faut qu'on ait toujours plus d'assurance dans notre vie. 다시 기도하겠습니다. Prions ensemble. 하나님 감사합니다. Dieu merci. 오늘 말씀을 교훈해 주셔서 감사합니다. Merci pour ton enseignement par ta parole aujourd'hui. 오늘 성경적으로 정통과 이단이 무엇인지를 함께 배웠고. Nous avons aujourd'hui ensemble appris sur ce qu'était la doctrine droite et les sectes. 천국과 또 지옥에 대해서도 배웠습니다. Nous avons également appris sur le royaume des cieux et l'enfer. 하나님 말씀대로 구원을 받고 Tu nous as sauvés en accord avec ta parole. 주님이 함께 하시는 교회 가운데 거할 수 있도록 해 주셔서 감사합니다. Et merci de nous avoir placés dans ton église au sein de laquelle tu es. 영원한 천국의 소망을 가지고 살아갈 수 있게 해 주신 것 또한 감사드립니다. Nous te remercions aussi parce que tu nous permets de vivre avec l'espérance de ton royaume. 남은 생에 주님의 은혜에 보답할 수 있도록 도와주시고. Aide-nous à pouvoir vivre en te rendant tous les bienfaits que tu as eu envers nous. 더 많은 사람들을 건지고 세우다가 주 앞에 설 수 있도록 도와주옵소서. Aide-nous à prêcher à de nombreuses personnes et que nous puissions tous nous tenir devant toi, Seigneur. 계속되는 모든 일정에 함께해 주시기를 기도합니다. Nous te prions de nous accompagner durant tout le reste du programme. 저희를 언제나 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui toujours nous aime. 아멘. 아멘. 네, 감사합니다. 예수님.